On est en live, mon petit Romain. Yes! Salut à tous! Bonsoir tout le monde. Salut, salut! Et je pense que c'est un jour spécial aujourd'hui. Est-ce que ce serait pas l'anniversaire peut-être d'un des plus grands auteurs de shitlist Bah si, bien sûr. qui nous a accompagnés longtemps sur cette année, sur cette première année de shitlist? Et oui, c'est Le héros de l'anniversaire beaucoup de monde. de beaucoup trop de monde, Manu, surtout. Beaucoup trop, effectivement. C'est l'anniversaire effectivement de Zack Snyder et on peut lui souhaiter un joyeux anniversaire et on attend bien sûr très Joyeux fortement son anniversaire. Sucker Punch 2. Le retour. Ou Et le déjà son Director's Sucker Cut Punch, déjà. ouais, voilà. En tout cas, merci d'être tous là, beaucoup de monde, Monsieur Chakma, Maillet 57, Nono Darko, Pierre-Claude Graal, pardon, Roman Potatoes, Dieu Champi, on a Creux-Creux, on a du monde aujourd'hui, merci à vous d'être là ce soir pour nous entendre encore parler de cinéma, hein, j'ai envie de vous dire, avec un grand C. Je vous cache pas, on est tous un peu dans une humeur de merde. c'est... Non, ça va. Alors, non, il y a juste Manu et Karim qui vont à peu près bien. Hein. Ça va. Voilà, il va falloir un petit peu choisir avec vous ce soir. Vous allez choisir le plus grincheux entre moi et Marvin, et ça va être un concours assez à départager, hein, parce que c'est la fatigue mentale qui nous atteint tous les deux en ce moment. Voilà, donc un qui est un peu plus déprimé que l'autre. Voilà, j'ai l'impression quand je te regarde, Marvin, j'ai l'impression de voir Ben Affleck dans Non. Batman vs Superman un peu, tu vois, genre. T'as vraiment envie qu'on soit potes ce soir? Non, ça va. Tout va Et bien. qui va aller marquer des SDF au fer Tout va rouge dans la bien. rue. Ou George Clooney dans Batman et Robin. Non, c'est... Non, Starfleur, George Clooney. c'est pas un podcast de grincheux de base, hein. C'est un podcast Non, vraiment jamais. de... Vraiment, Là, généralement, on on est est de des bonne gens humeur. empathiques, enthousiastes, vous le savez. Ouais, surtout Tout à enthousiastes, ouais. fait. Putain, le love. Que du love chez nous. Que ça, ouais. Que du Ouais, love. faut pas demander aux gens de droit d'être empathiques, en effet. Dans le chat, Effectivement, est-ce qu'il faut y en pas a tout faire. quelques-uns qui ont déjà vu le Batman là, de Matt Reeves qui est sorti, enfin qui sort demain? Peut-être qu'il y en a qui ont eu des avant-premières. Est-ce qu'il y en a qui ont eu un peu goûté un petit peu à ce film de 3 heures qui est beaucoup trop long pour ce que c'est? Ouais. Le mec va y aller sans a priori, c'est vachement Je suis bien, tu obligé de vois. te... Non, mais je suis obligé de te backup, hein, t'as raison. Bah ouais, non mais... Je sais, Par principe. de ce que Par j'en ai principe. entendu, de ce que j'en ai entendu, en fait, c'est un film beau. C'est un film qui a des moments assez intenses, mais c'est un moment aussi très très long, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, merde, quoi. Bon, ouais. C'est pas Laurence d'Arabie, quoi. Calmez-vous. Calmez-vous. Je sais pas à voir. Non, mais ouais, mais de toute façon, j'y vais. J'y, Il dure enfin, quoi, j'y... 2h48, un truc comme ça? 2h48, je pense, ouais. Ouais, Oh, plus ça les fait le pubs. Dark Knight, hein. Plus les pubs, Allez. ça Ouais, fait mais 3h20, quoi. ouais. Voilà, Ah, tu tu comptes les restes pubs dans la 200 durée, ouais. minutes, 200 minutes assis, ça fait un peu chier, quoi. Ouais. Donc ouais, beaucoup de personnes vont le voir demain. Oui, bah c'est devenu la norme. Ouais, bah oui, on va se calmer. Ouais, On va mais se c'est calmer, chiant. bordel de Ouais, merde. mais c'est peut-être pour ça que c'est chiant. Hein? Bah ouais, mais non, 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 à chaque pas, c'est peut-être à la merveille passe beaucoup plus vite, je pense. Bah je pense. Ah, la merveille, non. Bah le grand bleu, Après, non. à la merveille, Je préfère. le grand bleu s'est ressenti 6 heures. Un peu quand même. C'est Ah, la dur le grand merveille bleu. aussi. Ouais. Oh, arrête un peu, Ah, Manu. allez, Manu. Pas ce soir, Manu, pas ce soir. On ne fait pas ça Tu ce sais soir. qu'il est à fleur de peau, Marvin. L'emmerde pas, là. C'est dangereux. Tu vas le faire craquer. C'est une Après, nitro. à la Il peut te merveille péter à tout moment. en vitesse 1,7, ça passe mieux. Mais tu sais quoi? Par respect pour toi, je vais peut-être l'essayer. Je vais peut-être essayer. My car, il peut durer plus de 3 heures, ça se tient, effectivement. Merci Romain. Alors on a Romain en backup, hein, vous l'entendez pas, il est en backup actuellement. En fait, il est en train de bosser en même temps. Il bosse. Il fait double travail de Il fait l'ombre double là. travail. Parce qu'il se fait cruncher en fait, de son Ouais, côté. voilà. Donc Tu disais qu'il était en train de faire Sonic 2, il est en train de retaper le design. Il est en train de retaper le design de la mascotte de son taf en fait. C'est un peu son Sonic perso. Mais du coup, il est en train de se faire cruncher et en même temps, on est en train de le cruncher quoi. Bah oui, parce que Parce du qu'on coup. lui dit, bah, faut quand même que tu gères la chaîne quoi. Imaginez qu'il est en train de faire du montage et qu'il nous entend en train On entend de en même temps. balancer voilà, sur lui, quoi, direct. Ça doit être terrible. Moi, je voudrais pas être à sa place, hein, franchement. Chakma a déjà pris sa place pour le Angers Geek Fest. Ah bah GG. écoute, tu Franchement. n'hésiteras pas à venir nous venir sur scène et à gueuler shitlist, hein, c'est Ouais, un bien petit peu sûr. en ce moment C'était le le. samedi matin. Anecdote quand même. Non, Il c'est faut samedi après-midi. Samedi faut après-midi. raconter Ah, ça a changé. cette anecdote Ah, je suis pas à de. jour. Ah putain, et moi non plus. Ah, c'est Samedi l'après-midi. 15h30. 15h30 maintenant. Mais je croyais que c'était le matin. On s'est fait déclasser quoi. On s'est fait déclasser, Si maintenant on n'est merde. plus en première Non classe. mais écoute, ça m'évitera de prendre la bagnole à 6h du matin déjà. Hey, tu Et pourras dormir. ouais, déjà. Et non, bah c'est bien. Et bah tant mieux alors. Et Romain, il est monté sur scène pour la masterclass de Jean-Marie Pallardy. Il a quand même eu un shitlist gueulé. Et ça, c'est Ça, c'est beau. beau.
Et ça, ça nous fait plaisir. Ça, alors ça, peut-être, ouais. Peut-être que je lancerai Romain justement, peut-être vers la fin de l'émission. Le mec n'a pas de piste, est dispo. Rappelle-toi. Ouais, ouais, non, non, mais je l'ai sur Mumble. je l'ai en piste Mumble. Hein. Et peut-être qu'il nous parlera justement de cette séance de l'enfer. J'en ai entendu que du bien. De belles choses. Effectivement. Allez, 30 euros la photo, effectivement. 30 euros la photo, hein. La dédicace, ça ferait 45 euros au total. Effectivement, on a un plan de carrière à financer. Ouais, bah ouais, vous savez, là, c'est chaud. Hein. C'est, moi, je suis moins cher. C'est pas facile. Là, je veux dire, ou avec Manu, là, on va faire d'autres moins chers. Ouais. À ce rythme-là, on tient pas longtemps. Donc, ah ouais, c'est... Qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est pas terrible, quoi. Donc, voilà, on commence à mettre un peu de réserve, quoi. C'est pas terrible. Ouais, ouais. Là, tu vois, là, avec ce qu'on a, ouais, j'atteins Nanterre maximum, quoi. Paimpol. Ouais, Paimpol, straight, ouais, straight to Paimpol, quoi. Straight to Paimpol. Mais ouais, pas plus, quoi. Est-ce qu'on se lancerait pas peut-être là dans cette émission là dans... Vas-y. Est-ce qu'on se motiverait pas un petit peu là d'être, Alors on vous dira le programme bien sûr au cours de cette émission. J'espère que vous allez être rincés par ce qu'on vous propose, sachant qu'on on a fait un choix politique. Vous comprendrez très vite. T'es tellement déjà en train de désamorcer ton futur passage. C'est de la lâcheté. Alors, ouais, attendez. Non, c'est moi, de la raison. C'est de la raison. Il convient de préciser. Non, parce que là, j'en ai marre des conneries. Là. Les discours. discours comme ça. Et, non, là, c'est sale ce que tu viens de faire. Là, tu viens juste de. Luc, il nous a prévu. Il a prévu d'être contre nous. Et j'ai l'impression qu'il est tranquillement en train de retourner sa veste, quoi. Et voilà, et moi j'aime pas ça, quoi, c'est pas bien. Donc c'est pas un choix politique, il a choisi The Dark Knight Rises vraiment en disant que c'était de la grosse merde. Enfin, vraiment, soyons sérieux, quoi. Bon, on verra ça. En t'es un mec qui va finir par voter Macron pour faire barrage, ça. N'oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales, vous avez plus de 3 jours effectivement, d'ailleurs. Effectivement, vous avez plus de 3 jours. Hein. Geste citoyen. Allez, c'est parti, on va commencer cette émission. Ça part trop bien. Ça sent la fatigue, je sais pas où on va, mais on y va. Allez, c'est parti. Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast de Retour à Turfu qui vous parle du pire du cinéma. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, on va se concentrer sur un personnage emblématique de l'univers de comics Batman, créé par Bob Kane et Bill Finger en 1939. Le milliardaire Bruce Wayne nettoie la ville de Gotham City en arborant son armure noire depuis plus de 80 ans. Dans ce numéro, nous n'allons pas nous concentrer sur les comics ni sur les meilleurs films tirés de cet univers, mais bien des trois pires daubas, avec au programme Batman de Leslie H. Martinson, je me marre déjà un petit peu, Batman et Robin de Joel Schumacher, et bien sûr, The Dark Knight Rises de Christopher Nolan. Bien sûr, cette fois-ci, je sais que je vais être seul sur cette sélection. Je suis Luc Le Guédec et aujourd'hui, pour cette shitlist, je suis accompagné de Marvin Montes du podcast Final Cut et Hashcast. Salut Marvin! Bonjour. Oh, putain, dans un humeur, vous l'entendrez au cours de ces émissions, vraiment au top. Bonjour, justice. Justice. Emmanuel Pedron du podcast Le Coin Pop, salut Manu. Salut tout le monde. Et Karim Beradia du podcast Le Début de la Fin et de la team RVLT, salut Karim. Salut tout le monde. Alors, il faut savoir aussi que nous avons Romain actuellement en backup qui viendra peut-être participer à cette émission pour nous raconter une aventure incroyable qui s'est passée la semaine dernière. Il est plus que pour ça, lui en fait, il est vraiment pire mec. Ouais. Et je voulais vous poser cette question avant de commencer cette émission. Quel est votre affect vis-à-vis de Batman? Et on va commencer avec le spécialiste Manu. Bah écoute, c'est un des premiers super-héros que j'ai découvert, c'était avec la série télé des années 90, que j'avais trouvé incroyable à l'époque et que j'ai rematé récemment avec plaisir, puisque ça a très bien vieilli. Et c'est un des premiers super-héros sur lequel je me suis mis quand je me suis mis aux comics. Je me suis mis assez tard, hein, c'était 2004, quelque chose comme ça. Et ouais, c'est vraiment un héros que j'aime bien parce que... alors c'est un connard de droite parce que forcément c'est un milliardaire, mais en tant que héros il a déjà l'avantage de ne pas avoir de pouvoir, ce qui fait qu'on lui écrit des histoires beaucoup plus intéressantes. En général c'est un peu plus facile d'aller sur du héros plus street level, ce qui en fait profondément humain aussi. Ouais, et à côté de ça il a beaucoup d'aspects en fait, à travers les décennies il y a beaucoup d'aspects de Batman qui ont été plus ou moins développés, ce qui fait que cinématographiquement on peut piocher un peu dans tout pour essayer de faire quelque chose, et on va en parler ce soir parce qu'il y a un peu beaucoup d'aspects de Batman qui ressortent ce soir. Ça marche, merci Manu. Karim, de ton côté?
Batman, c'est un peu comme Manu dans le sens que découvert gamin, beaucoup avec le dessin animé des années 90. C'était l'un des plus gros crush de super-héros avec Spider-Man, mais qui avait l'avantage d'être adapté partout, parce que j'avais aussi beaucoup aimé les films de Tim Burton quand j'étais gamin, j'ai vraiment grandi avec. Et c'est un héros qui m'a suivi un peu, contrairement à d'autres héros, quand j'étais un peu début, puisque j'ai eu l'occasion de découvrir 2-3 autres œuvres de Batman, dont une BD qu'on m'a offerte, Arkham Asylum, les fous d'Arkham en français, roman graphique. Qui vraiment, en fait, c'est pas que c'est une revue de Batman, mais c'est juste que c'était quelque chose qui amenait Batman à avoir dans sa psychologie. Et bref, c'est l'un des premiers super-héros où je me suis intéressé au côté un peu psychologique d'un super-héros, tu vois, qui peut être un peu barré, qui est en fait pas simplement complètement fou, parce que le héros, en fait, quoi, complètement fou. Donc ouais, c'est un héros qui m'a toujours plu, qui est toujours resté, donc c'est un héros qui est important pour moi. Et Marvin, de ton côté, Monsieur Grincheux, comment ça se passe avec Batman? Non, ça va. Disclaimer habituel, hein, vous savez bien, j'ai pas trop de culture comics, tout ça, c'est pas trop mon truc. Après, Batman, ouais, je pense que c'est peut-être le seul auquel je suis le plus attaché, enfin vraiment attaché, parce que je pense que c'est de tous les super-héros qu'on a pu voir sur le grand écran, potentiellement le plus cinégénique, je dirais. Parce que c'est un vrai héros tragique, tu vois, vraiment, par définition, il a pas de super-pouvoir. Donc ce qui permet probablement à certains réalisateurs de se raccrocher à des genres jugés peut-être plus nobles, tu vois, on va en parler, je pense, tout à l'heure. Et puis il a des dilemmes moraux et psychologiques qui sont quand même assez passionnants de base, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est le personnage le mieux traité, je pense, au cinéma. Enfin, quasiment, quoi. Tu vois. Donc oui, il m'intéresse beaucoup, ouais. Quand même. Même sans avoir la culture de base. Et puis pareil, voilà, la série animée des années 90, évidemment. Mais je pense que tous les gens de notre génération... ils ont été bercés avec ça, bien sûr. C'est bien ce soir, c'est qu'on va parler de différents traitements et... Et quel traitement, mes amis? sacré traitement, effectivement. Sacré traitement. J'espère que vous avez tous préparé votre bat quelque chose, parce que ça va bat bitcher là, très très fort. Et on va commencer le bat bitchage avec Batman de 1966. Batman 1966 ou Batman The Movie, sorti en 66, produit par la 20th Century Fox, réalisé par Leslie H. Martinson sur un scénario écrit par Lorenzo Semple, basé sur la série TV ultra populaire à l'époque Batman, diffusée de 66 à 68 sur la Fox. Il s'agit du premier film basé sur les aventures de Bruce Wayne. Le film nous plonge dans les aventures de Batman et Robin combattant le Joker, Catwoman, le Pingouin et l'Homme Mystère, unis dans le vol d'une invention capable de déshydrater entièrement tout être vivant. Pratique. Au casting de ce film, on retrouve Adam West, Burt Ward, Lee Merriweather et César Romero. Manu, pourquoi ce film est une des pires adaptations de Batou au cinéma? Alors déjà, il faut savoir que je ne l'avais jamais vu. En fait, je ne m'étais jamais lancé dans le visionnage de ce film, même si j'en connaissais beaucoup à travers des mèmes, puisqu'il faut savoir que c'est une œuvre qui est restée culte. Ah, on t'entend plus, Manu. Ouais, on t'a perdu, Manu. Vous m'entendez ou pas? Ah, là, on t'entend. Ouais, du coup, c'est une œuvre qui est restée culte à travers les décennies et on la connaît beaucoup. Enfin, il y a eu des suites en comics, il y a eu pas mal de produits dérivés, il y a des Lego maintenant de Batman des années 66. Mais quand tu ne l'as pas découvert à l'époque, en fait, c'est difficile d'y trouver un affect. Parce que c'est quelque chose qui, on peut dire, qui est en plus fidèle à une certaine époque des comics, puisque dans les années 60-70, ça ressemblait un petit peu à ça, Batman. Entre autres, puisque comme je disais, il y a beaucoup de facettes, et en plus c'est un team-up gigantesque de super-vilains. Mais le truc, c'est que plus il y a de super-vilains, plus on voit à quel point c'est kitsch, quoi. C'est extrêmement absurde. Alors c'est très comic book dans l'idée, il y a vraiment un côté qui tirerait du côté de l'animé de Tex Avery ou autre. C'est un peu comme une matinée, c'est ces films qu'on passait dans les années 60 qui se passaient souvent le matin pour les enfants, ça ressemble à ça en fait, un petit peu. Ouais, je sais pas, je maîtrise pas trop l'époque, mais parce que je suis quelques années plus tard. Alors, c'est marrant, il y a un point commun à tous les films dont on va traiter ce soir, c'est tous et les seuls films Batman avec Robin, ou une version de Robin, on y reviendra tout à l'heure. Et c'est pas le truc le plus évident à adapter, en fait, dans un univers télévisuel ou cinématographique. Il y a beaucoup de blagues autour de Batman et Robin qui...
principalement doivent venir tout droit de cette époque, puisque déjà, ce sont des personnages qui étaient censurés, entre autres parce que le fait qu'il y ait Batman et Robin ensemble, c'était mal vu, c'était assimilé à l'homosexualité et au communisme, deux éléments pas très bien vus à l'époque, du coup. Mais ouais, c'est vraiment pas le truc le plus évident à adapter, Batman et Robin, et là, bah, on a une des pires versions possibles à faire, quoi. Cette tentative d'introduire ça doucement. C'est vraiment ultra kitsch. C'est marrant, j'entendais parler de la série en écoutant un podcast tout à l'heure, le podcast de Scrubs, où ils parlaient de la série et ils se posaient la question de comment ils passaient dans leur... ils sautent dans le tube, là. Et comment ils se retrouvaient habillés à la fin, quoi. Une vraie question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe si tu rates la manette, quoi? Bah, t'arrives habillé, je pense. C'est complètement con. Ouais, mais si tu veux descendre dans ta Batcave sans forcément te transformer, tu vois, c'est pas pratique. Ah oui, ouais, c'est vrai que c'est malin. Chose, penser, ah, ouais. Mais ouais, c'est très étrange comme film, c'est totalement absurde. Alors l'idée de la déshydratation, réhydratation, n'en parlons pas. même avec à l'époque, je pense que c'était vrai. En fait, ça montre le manque de considération pour le public, je pense, de ce genre de film, en fait. Déjà à l'époque, je pense que c'était assez méprisé, déjà bien plus qu'aujourd'hui d'ailleurs. Mais ouais, il n'y a pas grand chose à sauver si ce n'est quelques mèmes, en fait, de ce film. C'est vraiment ridicule. Mais c'est surtout devenu culte après, en fait. Ouais, mais. Puis tu vois, Jump the Shark, tout ça, quoi. Enfin... Ouais, voilà. Ouais. Ah, le requin au début, non, mais. C'est flambant. Alors, c'est une scène pour raconter. C'est une scène où, à un moment donné, donc ils vont essayer de choper un yacht là en hélicoptère avec Batman qui descend avec une échelle. C'est le début du film. Et en fait, à un moment donné, il se rapproche trop de l'eau. Il y a un requin qui vient lui manger la jambe. Mais en fait, c'est que c'est un requin en plastoc, quoi. Et bon, bah, c'est les effets visuels de l'époque. Ce que t'as pas dit, c'est que le yacht disparaît. Tu vois, donc le yacht disparaît et genre sous le yacht, au milieu de là où il y avait le yacht, il y a un requin explosif, quoi. Il était là. Mission impossible. C'est vraiment. Ouais, d'ailleurs, le réalisateur du film est aussi réalisateur d'épisodes de Mission Impossible, hein, de la vieille série. Évidemment. Donc tout est lié aussi d'une certaine manière. Voilà. Citation cinéphile une fois de plus. Bah, encore une fois, effectivement, c'est un produit d'auteur. Non, mais après le film, il est quand même. Alors, il est cartoonesque, il est très, il est très premier degré dans le sens où c'est très con, mais et c'est un film qui a plutôt bien marché, en fait. C'est un film qui a été aussi plutôt bien reçu par la presse à l'époque. En vrai, c'est un film. Qui... Non, mais c'est un film en fait. Ouais, bah peut-être que c'est, je sais pas, peut-être qu'à l'époque il y avait l'espèce de ce qu'on dit maintenant, tu sais, le fameux chèque jeuxvideo.com, tu vois, peut-être qu'ils avaient ça aussi à l'époque. Ah, ça donne bon. Ah ouais, ouais. Ok. Oh, bah, ça balance. Non, mais tu sais, en fait, en vrai, il y avait cette réception, il y avait de la hype aussi autour de ce film, parce que pendant, il y avait des séances d'avant-première où les acteurs, ils n'arrivaient même pas à rentrer dans la salle, tu vois, c'était le bordel. Donc non, il y avait quand même une hype, la série marchait très bien. En fait, c'était une vision de Batman que les gens étaient prêts à accepter et qui ils adoraient, tu vois. Et ça me fait marrer, c'est que il y a plein de choses autour de ce film qui me fait rire, parce que c'est vrai que c'est pas... Ouais, c'est pas malin comme film, franchement, c'est très con. Tu parles de la scène où les gens sont déshydratés, tu sais, à la fin, ils font... alors, comment on va faire pour pouvoir les remettre? Parce que Batman, dans ce film-là, il est scientifique, il est enquêteur, il est un peu tout, en fait. Faut pas jouer avec les lois de la nature. mais lui, t'as l'impression vraiment de jouer le scientifique, tu sais, quand t'avais 8 ans, quand tu regardes Batman, justement, parce qu'il fait les mêmes conneries, tu sais, il fait les mêmes trucs. Genre, pour sauver des mondes, enfin, sauver des personnes qui sont devenues des poussières, genre, lui, il va mettre des mecs benzeurs, tu vois, un peu partout, sur une table. Il va prendre ses tuyaux d'eau comme tu peux avoir en sciences, en physique chimie, tu sais. Il va faire bon, on va faire un test, on va voir si on va pouvoir sauver le monde comme ça. Tu sais, il ouvre juste son petit bec benzer, hop, c'est bon. Bon, bah voilà. Déjà, on dit bec benzène. Ouais, mais c'est pas grave. C'est façon, pas ouais. ça. Mais on s'en bat les couilles. Mais le truc, c'est qu'effectivement, en fait, bah, tu vois, je parle aussi scientifique que Batman. Mais le truc, c'est que voilà, c'est des scènes comme ça, moi, qui me fait marrer, quoi, qui m'ont fait rire. Mais c'est en fait, si tu veux, c'est qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut pas le prendre au sérieux, ce film. C'est un film sans époque. Pas. C'est un film cartoonesque, faut le prendre comme ça. Il y a des scènes complètement cons. Il y a une baston aussi sur le bateau là à la fin. Mais génial. Où ça part en couille freestyle. T'as l'impression que t'es sur une map de Super Smash Bros. Où t'as plein de personnages qui se foutent sur la gueule. Ça. Et puis c'est t'sais, les mecs qui sautent, ils font des galipettes. C'est là, t'es oh là là, putain, mais tu t'hallucines, t'acceptes. En fait, moi j'ai accepté le truc. J'ai fait bon, ben voilà, ok, mais ça m'a pas orienté, quoi.
entre ça et Batman et Robin, le respect pour le commissaire Gordon dans ces films-là, c'est incroyable. Un peu chaud. Ouais, il y a Rises pour sauver un peu le bonhomme. Non, mais c'est clair. Bah, après, Rises, c'est un film aussi qui... Bon, il y a d'autres problèmes derrière. Mais... On y reviendra. Mais après, moi, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il y a des contextes de production qui sont assez drôles. En fait, Adam West, qui joue Batman, et Burt Ward, qui joue Robin, c'est des mecs qui ne pouvaient pas se blairer, mais ils ne pouvaient pas se blairer pour des questions, en fait, entre contrat et aussi obligations professionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, du fait de leur costume, en fait, on discerne mieux Burt Ward que Adam West dans son costume. En fait, concrètement, les cascades, il y avait un cascadeur pour Adam West à chaque fois quand il faisait ses cascades. Burt Ward, non. Burt Ward, il devait tout faire lui-même. Et c'est, le problème, c'est qu'il s'est, pendant la série et pendant le film, il s'est pété la tête, enfin, il s'est pété une jambe, il a tout fait. Genre, le mec, on lui a dit, ah non, non, toi, t'as pas le droit. Il était moins payé en plus. Et là, toi, t'as pas le droit. Toi, tu, non, non, tu fais ta cascade. Et du coup, même pendant le film, il s'est cogné la tête contre le bateau tout pourri, là. Ah non, ça a été un enfer. Ça a été un enfer pour lui. Mais après, ils se sont mieux entendus parce qu'effectivement, en fait, après. Comme le film est devenu culte, ils ont fait des conventions, ils ont fait des apparitions dans les Simpsons, les Griffin aussi, je crois. Et c'est devenu assez culte. Les gens sont attachés à ça, comme tu disais, Manu. Maintenant, il y a aussi du merchandising autour de ce film, maintenant qu'il est devenu culte, en fait. Les gens connaissent le film sans l'avoir vu. C'est ça aussi qui est assez impressionnant, parce que le film, il a une personnalité très, très marquée. Je dirais pas que c'est un peu comme Batman et Robin, si tu veux. Il y a au bout d'un moment, tu lâches, tu fais « Ouais, bon, c'est bon, c'est de la merde. » Pas même genre de personnalité. Mais, ah, c'est cheap, quoi. C'est cheapos, ouais. Mais c'est resté en fait ancré dans la pop culture et je trouve ça quand même pas mal, tu vois, dans le fait que c'est resté ancré et que maintenant on en rigole. Je suis content de l'avoir découvert, mais j'ai aucune envie de le revoir. Bah, pareil. Et puis c'est tu sais, ça fait un peu James Bond, c'est un petit peu entre James Bond, Mission Impossible, mais pour les gosses, c'est, quoi. C'est audacieux. Ouais, non, mais non, mais zéro qualité. Non, mais t'as des emprunts. C'est pas sorcier surtout, ouais, mais t'as des emprunts à James Bond, surtout sur la caractérisation des ennemis un petit peu. Sorcier. Ok. Pour le la scène, ah oui, du bien Beck Barzen. Effectivement, effectivement, c'est vrai que c'est le même type de maquette. De toi, t'avais Jamie qui débarquait pour faire sa petite démonstration, quoi. Donc voilà. Après, de ton côté, Batman. Marvin, t'en as pensé quoi, toi, de ce film? Alors, ouais, c'est claqué au sol. Enfin, vraiment, c'est compliqué de le juger autrement. Après, il y a un truc intéressant quand même là-dedans. Je pense, c'est d'avoir cette version du personnage qui éminemment utopiste et positive. Tu vois, oui. Je veux dire, par rapport au traitement, on va dire, ultérieur cinématographique, bah, je veux dire, tu vois, avec toutes ces questions qu'on a maintenant dans le film de super-héros, ces questions sécuritaires... La responsabilité, vois, tout ça. Voilà, la responsabilité, enfin, tu vois, ces questions un peu snyderiennes, pour ne pas le nommer. Bah écoute, il y a ce truc-là qui est... Tu vois, je vois Starflord dans les commentaires qui met « c'est un film charmant », et en fait, c'est un peu ça. Alors, charmant, il y a des différentes... charmant, on est d'accord. Énorme guillemets, mais voilà. Il y a cette version positive de Batman et Robin qui est complètement hors sol, en fait. Tu vois, quand on la regarde aujourd'hui, et du coup, qui conserve cette espèce de truc, parce que d'un autre côté, de là à dire « c'est un film de son époque », je sais pas, c'est quand même un film de 1966, hein, je veux dire, ce que, tu vois, je pense que les limites techniques du médium allaient bien plus loin que ce que le film nous propose quand même, hein, tu vois, je veux dire, faut pas non plus déconner. En fait, c'est un produit télévisuel étiré sur 1h34, c'est un peu du J.J. Abrams de 66, quoi. Non, mais voilà, sans vouloir troller... C'est... Ouais, je sais. Ouais, je voulais chercher un peu, mais bon. Je te le laisse. Et en fait, du coup, t'as Batman qui fait des conférences de presse, tu vois. Qui soutient la police, et d'ailleurs, elle le lui rend bien. Tu vois, c'est genre la police, machin, tout ça. Et même, tu vois, même la période de la guerre froide est traitée par-dessus la jambe, tu sais, à la légère, complet. Le mec, quoi, de lui, avec... de... Ouais, et puis avec le... Tu vois, t'as le déguisement de Catwoman, déjà le déguisement de Catwoman, putain. Il y a quoi ? Mais t'as Batman et Catwoman, du coup, je sais plus quel est son nom en version russe, tu sais, Kamarad Wayne. et je sais plus ce qu'il lui dit. Ouais, mais c'est dommage que nos pays soient derrière ce rideau, tu vois, genre parce que nous on sait, mais c'est vraiment comme ça qu'on retranscrit la crise de la guerre froide, quoi. Voilà, j'ai du mal à détester ça, en fait, parce que ça me fait marrer, quoi. Et puis, tu vois, il y a un rassemblement de méchants, mine de rien, que tu retrouveras dans aucun film derrière. Mais ça... C'est Batman No Way Home, quoi. Ça veut dire, c'est... non, tu vois, vraiment. On l'a dit, on l'a envoyé. Voilà, c'est Batman No Way Home.
Et puis honnêtement, leur clique de méchants, elle est fabuleuse, quoi. Tu vois, c'est le... Je sais plus comment il s'appelle, le rassemblement de l'Underworld ou je sais pas quoi. Ouais. Et ouais, vous avez parlé de la déshydratation, mais pendant toute la durée du film, ils fomentent des plans, mais d'une puissance. Tu sais, genre, les mecs, c'est... Alors, vas-y, on va attirer un mec et puis on va le faire atterrir dans cette chambre-là. Du coup, on va le propulser au travers de la fenêtre pour qu'il atterrisse dans une pieuvre explosive. Ah, ça réfléchit, ça réfléchit. Et moi, c'est cette guerre froide-là que je veux, tu vois. non, mais je veux dire, c'est comme ça que ça doit se passer. Moi, je veux qu'on soit dans nos bat-coptères, qu'on ouvre la bat-soute, qu'on sorte la bat-échelle, tu vois. Voilà. C'est comme ça, c'est comme ça, et que tu te fasses attaquer par un requin, et que là, il y a un mec qui fait « passe-moi l'anti, bah, le bat spray anti-requin enfin. ». Moi, c'est ça que je veux voir dans la vie, tu vois. Voilà, non, il y a que ça qui m'a fait... Et puis bon, alors effectivement, c'est un film extrêmement grotesque, et d'ailleurs, je me suis posé une question, parce que je me posais vachement la question, on va y revenir après, mais pendant Batman et Robin, je me disais, putain, mais pourquoi il y a autant de plans débulés dans Batman et Robin? Il n'y a pas un plan, enfin, j'exagère, la moitié des plans du film, tu sais, la caméra est jamais sur son axe. Je me dis, peut-être est-ce un clin d'œil cinéphile de Joel Schumacher à Batman 66, où tu simules les parties en bateau avec... avec des plans débulés. Ah non, t'as eu le temps de t'ennuyer d'aller trop loin, là. Et non, mais peut-être... Non, mais tu sais, c'est le genre de clin d'œil à la con que tu pourrais faire. Honnêtement, tu vois, c'est le genre de truc qui pourrait passer. Donc, je me suis posé la question. Voilà. Sinon, c'est quand même très long. Ça, voilà. Ouais, il dure 1h30, je crois, en plus. 1h44. Ah, 1h44, pour être précis. Donc, voilà, c'est compliqué. Et oui, effectivement, après, tous les personnages secondaires, Val Kedal, tu vois, César Romero, il est un petit peu resté dans le truc, parce que voilà... Bah, c'est marrant. Surtout sa moustache. C'est le pré-Henri Cavill, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu enlever la moustache en post-prod, quoi. Tu sais, c'est un peu le même problème que. Parce qu'il a refusé de se raser. Il a dit, oh, alors, c'est bon, quoi. Et voilà. Bah, tu vois, il n'y a rien à dire sur ce truc-là, mais c'est difficile de le détester. Voilà. Il y a un côté cheap sympathique. Qui me le rend pas désagréable. Voilà. Très bat sympathique, alors, finalement. Plutôt bat sympa, je dirais. Bat sympa, ouais. Effectivement. Bat Karim, comment était cette bat séance? J'aurais été déçu que tu la fasses pas, celle-là. Ça n'a pas été si bat déplaisant. c'est un film, en vrai, c'est un film que je connaissais comme Manu, je l'ai jamais vu, mais je le connaissais quasiment déjà, en fait, parce que chroniqué, mémé, tout ce que tu veux. Oui, bien sûr. Et en fait, déjà, tu sais complètement dans quoi tu te lances, donc tu vas jamais te faire froisser. Et très vite, tu comprends effectivement que c'est un épisode d'1h44, quoi. Donc, ton seuil d'exigence, déjà, il est vachement bas. Et donc, ça rend le film relativement divertissant parce que, en fait, il y a trop de trucs que tu comprends pas comment ça a pu rentrer. Enfin, comment les gens ont pu imaginer ça? Je veux dire, le film s'en bat les couilles. Et ça transpire une espèce de liberté de vivre où les gars ont fait ce film-là, ils s'en battaient les couilles, ils savaient que c'était bidon, que les stock shots n'allaient pas, que les raccords n'allaient pas du tout, que l'homme mystère, mais il faut parler du sphinx dans ce film-là, mais c'est quoi ce mec qui a pris du speed dans un slip trop petit? Je veux dire, il a un côté Michael Fassbender sous acide dans Prometheus ou Alien Covenant, je te jure. Ça m'a fasciné. Et puis pareil, je veux dire, faut pas piéger les animaux avec de la TNT, c'est pas sympa. Tu vois, je veux dire, c'est vrai. Ouais, donc le film, il en devient. C'est communiste, drôle. Ni déshydrater les gens. Hein. C'est, ouais. C'est pas très cool. C'est pas gentil, ouais. Donc, celui-là, je l'ai vu en plus accompagné, je l'ai vu avec ma compagne. Et donc, c'est devenu très vite très drôle. Donc, pourquoi t'as fait ça? Elle a réussi à esquiver les deux autres. Elle a réussi à esquiver Batman et Robin, bref. Mais celui-là était là, et en vrai, elle revenait chez le kiné, ça l'a détendu, c'était bien. Bref. Mais non, en fait, c'est limite, je suis content d'avoir fait la culture, tu vois, de ces gens en mode, je m'en passerai de l'avoir vu, mais j'ai eu l'occasion pour le regarder. Maintenant, je sais vraiment de quoi je parle, j'ai pas la sensation, quand j'en parle, d'être un peu un escroc, parce que je l'ai jamais vraiment vu, mais je sais que le film, à travers les choses... Donc ça va. Après, c'est en dehors d'un prétexte comme la shitlist. Ouais, c'est la science. La science, mais le film est quand même extraordinaire parce que il y a vraiment. Je sais pas si c'est l'air du temps années 60. Mais
dans ma tête, j'imagine les années 60, sur plein de trucs, c'était la merde. Mais il y avait un côté, peut-être, dans la création où il y avait plein de règles en moins. Et des fois, ils osaient s'en battre les couilles. Et c'est un peu, tu sais, genre comme Barbarella, c'est pareil. Ils osent vraiment s'en battre les couilles, tu vois. Bah, c'est le cahier des charges était moins rempli des checks à faire. C'est aussi le film où ils s'en battent le plus les couilles de l'identité secrète de Batman dans le... par rapport au masque. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais il y a des close-up pendant la fameuse conférence de presse, du coup, où tu sais, t'as Catwoman qui se pointe et qui lui dit, ouais, vous pouvez enlever votre masque. Et tout. Et là, il lui fait tout un laïus, c'était super paternaliste, super moralisateur. Genre, il faut pas enlever nos masques parce que c'est pas pour nous, c'est pour nos proches, machin et tout. Même nos familles savent pas qui on est. Mec, t'as un bandeau là qui fait cette taille. Mais tu sais, vraiment, on te le montre quoi. Tu vois la gueule d'Adam West, tu le reconnais pas, sérieusement. Mais c'est ça, tu vois. Mais ça, ça fait partie de ce truc. Genre, il faut une suspension d'incrédulité, mais genre puissance 4000. Quoi. Ah, ben oui, mais tellement. Mais le film rend compte. C'est pas reconnaître Catwoman, c'est chaud aussi. Ah, oui. Déjà, franchement, il y a cette scène improbable, mais cette scène sur le bateau est fantastique. Avec la reprise de la musique. Elle est censée, tu sais, elle est censée être kidnappée. Sous son identité de crush de Bruce Wayne, tu vois. Donc, ils la font parler en Catwoman, et puis après, ils lui bandent les yeux, et puis ils la renvoient dans la chambre, et elle, tu sais, ils lui enlèvent la corde et tout. Enfin, le plan est machiavélique, quoi. Tu sens que les mecs ont prévu. Tu vois, tu sens qu'ils sont de taille à conquérir le monde, quand même, quoi. Parce qu'il y a ce dialogue aussi complètement ubuesque, genre, ils sont quatre, genre. Ouais, mais à deux, ils pourraient conquérir la ville. Ah non, à trois, c'est le monde, c'est le pays. À quatre, c'est le monde. C'est bon. Tu sais, genre, c'est vraiment. Putain, c'est. Voilà. Ah ouais, oui, c'est vrai qu'il y a aussi ce délire, Starflood le dit, c'est que ce délire aussi de. À chaque, je sais pas, toutes les 10 minutes, c'est. Ah, la femme chat, la femme chatte, la femme chat. Putain, mais ça aussi, putain. Est-ce que vous avez vu le plan sur ce pauvre chat? Terrifié, oui. Certainement. Pendant le tournage, tu sais, quand elle le balance sur la table. Oui. Et que le chat, mais genre, tu sens une détresse. Vraiment, c'est. Bon, j'ai bien aimé le moment où Batman il prend le chat, il le jette dans le petit bateau de sauvetage pour chat, parce qu'il fait ça. Et genre, dans l'idée, c'est tu vas, t'es à 2000, t'as 2000 miles, tu vas dans ta tête, tu vas prendre le chat, tu dis fais ta vie. Fais ta vie. Mec, survie. Nique-toi. Survie. Ça fait mourir de rire. C'est du genre, c'est quoi le plan de Batman? Non, j'ai pas dire, on ne tue pas les gens. Mais les chats, ça va. Mais non, mais tu vois, voilà, il s'est dit qu'il se débrouillerait quoi. Mais le film est tellement cheap, je trouve, c'est qu'ils usent des hors-champs. Genre le moment du crash d'hélicoptère, il y a un moment où ils sont en hélicoptère, t'as des stock-shots de missiles qui font tout l'hélicoptère. Ça, j'accepte. C'est ça que j'allais dire. Ça, j'accepte. Ça, genre, en fait, Polaris. Et t'as ce stock-shot de missiles incroyable qui est en résolution terrible. Moi, j'adore, c'est la coupure et juste, tu sais, genre le matelas. T'sais, t'as rien, ils essayent même pas de simuler, tu vois. Bon, c'est quelque part un aveu de faiblesse, mais j'aime bien, tu vois. Mais genre, t'as l'impression de regarder une série, et c'est mortel parce qu'ils s'en battent les couilles. Ouais, les scènes de drague, voilà, dernier truc que je cite, mais les scènes de drague de Bruce Wayne. Mais là, pour le coup, elles sont bien ancrées dans leur époque, quoi. Tu vois, genre, ouais, complètement. Ah, le mec est cavalier, quoi. Hein. Vraiment. Je me laisserai vous visiter votre magnifique appartement. Ah là là. Fou. Je sens que le mec il est là, genre, je sens que je vais être emporté. Je sens que je vais être. Qu'est-ce que tu. Qu'est-ce que tu dis, frère? Dis des plus gros pickliners du monde, quoi. Ah là là. Putain, ouais, c'est chaud. Ah, c'est bad cool, hein. Franchement, c'est bien bad marré. C'était bad gênant. Ouais, ah, c'est bad gênant, putain. Alors, on va voir si le prochain film va être. Va dépasser justement ce stade de bat gênance dans notre bat génétrie. C'est parti avec Batman et Robin. Tout est dit. Batman et Robin, sorti en 97, produit par la Warner Bros. À hauteur de 160 millions de dollars, suite de Batman Forever, sorti en 95, toujours réalisé par Joel Schumacher et toujours malheureusement écrit par Akiva Goldsman. Batman, qui est cette fois-ci incarné par George Clooney à la place de Val Kilmer, est accompagné de Robin sous les traits de Chris O'Donnell. Ils vont devoir dans ce film mettre la pâtée à Mr. Freeze, interprété par Arnold Schwarzenegger, qui fait régner une vague de froid polaire sur Gotham City avec la complicité de Poison Ivy, qui est joué par Uma Thurman, qui rêve, je cite, de mettre le monde au pouvoir des femmes fleurs. Et cette question me taraude tout de suite, Marvin, avec ce film, est-ce que tu te sens une femme fleur? Ouais, j'ai un côté femme fleur, évidemment, vous le savez. je peux pas vivre ça. Je peux plus vivre comme ça. Mais non. Mais en fait, Joel Schumacher, c'est ça le truc. C'est Joel Schumacher. Tu te dis qu'après les deux Batman, tu te dis qu'après les deux Batman de Tim Burton, on ramène Joel Schumacher sur le projet parce que selon le studio, alors je sais même plus qui produit à ce moment-là.
ça m'échappe. C'est pas grave. En tout cas, on estime que les deux Batman de Tim Burton sont probablement trop personnels, sont un petit peu trop potterisants, si on veut, ce qui n'est pas faux. Et donc, on ramène Joel Schumacher dans l'espoir qu'il réussisse à raccrocher, et ça, c'est lui-même qui le disait en interview, la nouvelle franchise Batman au dessin animé des années 90. Et il a peut-être pas vu le même dessin animé que nous, quoi. Je pense. Il l'a vu sous coke. Il s'est passé un truc, quoi, à un moment donné. Et en fait, il y avait ce truc-là dans Batman Forever, qui était, on va dire, gentiment drôle, mais quand même, la plupart du temps, assez fatigant, puisqu'il tentait à ce moment-là encore d'adapter le cartoon, mais il le faisait mal. Tu vois, il le faisait vraiment très mal. Et en plus, le film, s'attaquait quand même à des thématiques un peu lourdasses. Tu vois, t'avais le deuil, l'histoire des parents Grayson, tu vois, pas mal de trucs. Et puis, je me rappelle que Val Kilmer était hyper sentencieux. Bah, c'était vraiment un film qui se prenait encore au sérieux. Et du coup, il y a une espèce de gap d'hallucinogène, je pense, entre les deux films. Qui fait que il passe quasiment, je pense que Batman et Robin est pas loin de la catégorie, tu vois, du nanar sympathique. Parce que, très objectivement, enfin, j'essaye, tu peux pas passer un mauvais moment devant Batman et Robin. Je veux dire, ça a été le feu. Non, je te dis, ça a été le feu, très clairement. C'est fatigant quand même. Hein. Non, j'étais seul dans le bureau, ça a été le feu. Et très vite, au bout de... Tu vois, au bout de 10 secondes, je voyais des plans débuler sur des culs, des gens qui serraient leur ceinture. T'as un premier panoramique qui remonte le nom de Batman sur le regard complètement hébété de George Clooney, avec le premier dialogue slapstick, il me faut une voiture, machin. Je dis ok. Et tu vois, bon, c'est ce qui l'empêchera d'arriver dans le côté nanar sympa. Je pense que c'est volontaire. Je pense que là, il y a tellement un gap entre les deux que c'est complètement conscientisé. Je pense que là, Joel Schumacher sait très bien qu'il fait n'importe quoi. Et à partir de ce moment-là, bon, bah moi, j'accepte, je prends, c'est parti, je veux dire. Je viens de voir Batman 66, qu'est-ce que j'en ai plus à rien à foutre. Donc je prends. Et je passe un moment fabuleux, en fait. Je passe un moment fabuleux très vite avec. Ouais, vraiment, il y a des trucs absolument anthologiques. Alors je sais que Karim aussi, j'ai vu ce film au Bat-Cinéma. En 97, j'en avais absolument. Absolument aucun souvenir. Voilà, j'avais des parents bienveillants, que voulez-vous. Imagine que tu vas voir ça et tes parents se sont tués en sortant du cinéma. Ouais, je sais pas qui tu devires, quoi, mais, mais ouais, c'est chaud. Et en fait, c'est rempli de moments de bravoure que je peux pas ignorer, tu vois. Il y a cette direction artistique qui est d'un grotesque. Alors, je crois qu'en plus, on a un des designers du film qui a travaillé sur des trucs genre Total Recall, tu vois, au hasard, comme ça. Ou Godzilla de Roland Emmerich, ouais, c'est peut-être un peu plus cohérent avec le propos, mais ça n'arrête jamais, et tous les détails sont pétés, et du coup on arrive quasiment à un équilibre parfait, en fait. Quand on arrive, tu vois, la scène du musée, voilà, c'est vraiment le... Enfin, j'ai compris tout de suite où j'étais. La scène du décris-nous musée... Décris-nous le musée, justement. Bah, alors... C'est Mr. Freeze, donc déjà il faut voir Mr. Freeze incarné par notre ami Arnold Schwarzenegger. J'ai toujours trouvé, mais on voudrait pas, le nom Mr. Freeze un peu ridicule. Mais bon, oui. Bref, chacun son chemin dans le crime, quoi. Et le gars arrive au musée, donc parce que il doit voler des diamants parce que sa combinaison marche aux diamants. Déjà, mec, sérieux. Bon, c'est pas grave, ok, ta combinaison marche aux diamants, bon bah ils te font un gros diamant, ok, bon j'accepte, je prends encore. Et donc, arrivée de Batman et Robin, surf sur un dinosaure, important. Et là, le film devient un match de hockey sur glace, mon gars. Mais vraiment, tu vois, j'exagère pas. C'est-à-dire qu'il finit sur le dos, t'as un plan fabuleux, où de manière extrêmement symétrique, il lâche les bas de patins, et ça part en match de hockey, quoi. Il y a des mecs, ils ont des crosses, quoi. Et ils se font des passes au diamant. Enfin, je veux dire, tu vois, on en est là, en fait. Et à partir du moment où t'as passé ça, bah, t'es prêt pour la suite, quoi. Il n'y a aucun problème. Tout est fou dans Batman et Robin. Et tu vois, c'est torqué ouais. En 1997. Ça veut dire que c'est vraiment... vas-y, mec, fais n'importe quoi, tu vois. Ah, il y a du bat-surf dans le ciel aussi. Il y a tout. Il y a 10 idées par plan. Je veux dire, la gênance, c'est effectivement du bat-surf en sortant de... En sortant de l'espèce de capsule de Mr. Freeze, je veux dire, me dites pas que les mecs savaient pas ce qu'ils faisaient. Quand tu fais un panoramique qui commence sur des chaussons oursons pour filmer le peignoir bleu de Mr. Freeze chauve, qui fait danser et chanter son espèce de team là, tu sais, où les mecs ils essaient de bouffer des repas gelés, me dites pas que vous savez pas ce que vous faites. c'est voilà. Donc moi j'accepte, je trouve ça plutôt cool, quoi. Et bon, encore une fois, c'est ce traitement, tu sais, utopiste du
de Batman, parce que finalement, ils sont où, tu sais, tous ces traumas qui sont un peu la base de ce personnage qu'on a aujourd'hui, quoi, cette espèce de quasi-schizophrénie latente. Là, il en a absolument rien à cirer, quoi, tu vois, et moi, je trouve ça cool. Et en plus, il y a quand même un truc qui me fait marrer, c'est que c'est encore symbolique, phallique, peut-être pas si symbole phallique, quoi. Genre, le mec, il est en train de, tu sais, de financer des trucs pour la ville, un observatoire qui ressemble à une bite gigantesque, quoi. Et franchement, connaissant la filmo absolument subtile de Joel Schumacher, je peux pas me dire qu'il ait pas à un moment donné pensé à ce truc-là, quoi. Donc en fait, tout est fou. Tout est fou, la maladie d'Alfred, qui est la même que la femme de Mr. Freeze, la transformation d'Arnold Schwarzenegger, qui nous reprend son interprétation de Total Recall, avec ce fameux cri... Enfin, je veux dire, c'est le freeze in hell Batman final, je chialais, quoi. J'en étais là, Et puis Poison Ivy, voilà. Il faut parler de Poison Ivy. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ma pauvre Uma Thurman, quoi. Enfin, je veux dire, c'est la scène d'intro de Poison Ivy. Tu sais, quand elle remonte et qu'elle est seule dans son labo et que t'as des cuts improbables où elle est là, genre, je suis la reine des plantes et tout, en tapant dans ces trucs. Et sérieusement, allez-y, envoie le reste, quoi. Et enfin, voilà, tout est absolument fou, quoi. En fait, devant le foot, t'étais les bras levés comme ça, quoi. Allez-y. J'étais là, j'acceptais mon destin et ça allait, quoi. Et Bane, bien sûr, Bane, voilà. Bane, un personnage qui va revenir deux fois ce soir, pas traité de la même manière. Il y a deux visions d'auteur, on va dire. Ouais. Parce que là, c'est esclave sexuel déguisé en Mr. X de Resident Evil. Il y a des chances. Il y a quelques mots, tu vois, un peu. Quand même censé être un personnage extrêmement intelligent, fondamentalement, enfin, je veux dire, en théorie, quoi. En théorie, tu vois, Bane, il devient chauffeur, il a son petit chapeau, il se transforme, il se déguise en gorille pour backupper la chorégraphie de Poison Ivy, tu vois. Et franchement, je pense que c'est des films, il faut les accepter, quoi. Il faut les accepter comme ça, quoi. Donc, ça va. J'ai passé plutôt un moment agréable. Hein. Je peux pas vous mentir, je pensais pas. Et puis, tu vois, il a suffi de deux plans sur un diamant et une crosse de hockey. Finalement, t'étais en accord avec le film après, quoi. Et j'étais bien, quoi. J'étais dans le bon mood hier, tu vois. Aujourd'hui, peut-être j'aurais moins aimé aujourd'hui, mais hier, j'étais bien. Donc, nickel. Donc, un très bon souvenir. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes trouvent le film, en fait, sympathique. Finalement. Bah ouais, nul, mais sympathique. Bah ouais, c'est clair. Il y a quelque chose qui manquait à Batman Forever, en tout cas. Ouais, voilà, c'est parce que il y a Batman Forever, il y avait ce côté trop sérieux, trop gothique. Enfin, plus, encore... limite hybride avec Tim Burton qui était producteur. Ouais, c'est clair. Film. Batman Forever, il y avait Jim Carrey déjà, tu sais. Oui, c'est vrai qu'on en avait parlé dans Sonic. Mais on va pas relancer le débat, sûr, de Jim Carrey. Pas ce soir, Marvin, sinon il y aura encore avoir des morts. En fait, il faut savoir, Joel Schumacher, je me suis quand même renseigné un peu sur sa vie parce que je me suis dit, quand même, faire des films comme ça, quelque part, il doit venir d'un endroit peut-être pas serein, quoi. Et bingo, c'était le cas. En fait, c'est un réalisateur qui a grandi dans les quartiers défavorisés de New York, en fait, lui. Et dès 9 ans, et en fait, lui, il se tapait, il était déjà pété à la mette et les SD, en fait. Ah. Et quasiment pendant 30 ans, en fait, il était accro. Et en fait, mais alors ça a été vécu Batman la série animée comme nous, du coup. C'est Batman la série de 66, lui, il l'a vu différemment. C'est éclairant ce que tu nous dis, quoi. C'est vraiment comme ça qu'il l'a vu, quoi. Et en fait, il a fait des grandes études pour devenir couturier. Il s'est démerdé pour devenir couturier. Il était fashion designer, en fait. Il est rentré comme ça, en fait, dans le cinéma, lui. Il est rentré comme style designer, en fait. Tu vois, on voit qu'il a du goût, ouais. Il a son goût à lui, mais faut le voir. Il y a des photos de lui. Faut regarder comment il est fringué. C'est le mec excentrique à spec, quoi. Quand tu vois le film, tu comprends. En fait, tu comprends que c'est quasiment un film d'auteur, quasiment. Tu vois, c'est vraiment lui. Il a dit. On m'a demandé de faire un film de cartoon. Voilà, je fais mon interprétation de ce que c'est un film de cartoon. Parce que les producteurs de la Warner, ce qu'ils m'ont demandé, c'est, bah mec, le dernier film était Trark. Là, on voudrait bien targeter vraiment les enfants, en fait, et vendre des jouets. Et lui, il a compris, en fait, les ordres des exécutifs. Il a fait jouets, cartoon, LSD. Du coup, il est parti là-dessus. Et c'est parti en freestyle total. Et lui, en fait, il a fait. Il est rentré aussi par hasard. Enfin, tout est par hasard chez lui parce qu'il est rentré dans le cinéma parce qu'il était designer. Il est rentré dans le poste de réalisateur parce qu'il devait remplacer au dernier moment John Landis qui avait abandonné un film. En fait, il avait abandonné John Landis, avait abandonné le film La femme qui rétrécit.
qui est un film incroyable, hein, qu'il faut voir. Et du coup, il l'a remplacé en tant que réalisateur sur ce film-là, qui est sorti en 81. Après, il a pas mal bossé sur des comédies musicales aussi, lui, Joel Schumacher. Donc, en fait, il y a pas mal de thèmes que tu retrouves de sa carrière, que tu retrouves dans ce film-là. Et finalement, c'est... Ça aurait viré comédie musicale à un moment, ça m'aurait pas étonné. Hein. Ben ouais, mais ça le fait un petit peu. Dans des les fois, batailles de gang et tout là. On y est presque, on est à la frontière. Il a un côté Cats, hein, le film, des fois. Un petit peu, ouais. Mais Cats, la pièce de théâtre. Un petit peu, mais en mode LSD, quoi. Même le film avec ses couleurs vertes, taureaux chelous. Ouais, mais c'est pour ça que je me dis, tu vois, voilà, c'est pas. En fait, le film se comprend quand tu regardes la carrière de Joel Schumacher là-dessus, tu vois. Et... Mais tu sais que, après, sans déconner, le film il tient presque la route visuellement par moment. Enfin, contextuellement, par rapport à 1997, il y a des inserts numériques qui sont pas atroces par rapport à la moyenne de ce que. Et ils ont l'intelligence de le faire un peu dans le noir, de pas trop le montrer. Bah, bien sûr. Ouais, mais, pas con, les gars. Mais tu vois, la direction artistique a au moins le mérite d'être cohérente avec le propos, quoi. C'est vrai. Voilà. Non, mais ça, en plus, c'est vrai. Et c'est justement, tu faisais des allusions comme quoi il y avait des symboles phalliques, c'est à moitié crypto-gay. Ah bah c'est qu'il est gay, en fait, Joel Schumacher. Bah, c'est un gay, mais c'est vraiment un gay ouvert, quoi. Lui, c'est vraiment, lui, il parle de sa sexualité tout le temps. Il a fait des interviews, ça m'a fait rire. Tu sais, il a dit, on lui demandait en fait un petit peu sur sa carrière, qu'est-ce qu'il faisait, et quelle est un petit peu sa vie, et lui il dit, oh, bah écoutez, moi j'ai fait l'amour à entre 10 000 et 20 000 personnes. Il a niqué, en gros, lui, il a niqué tout New York. Et toi, il est comme ça, il cache en interview, t'es là, t'es en face, tu dois être là, mais ouais, bah c'était pas trop la question en fait que je te prenais. c'est bien. Non, mais du coup, ça m'a fait rire. Et non, c'est vraiment quelqu'un de, mais c'est quelqu'un d'entier en fait, et parallèlement, quelqu'un de, c'est peut-être de maladroit dans ce film, quoi, finalement. Ah oui. mais voilà, c'est pour ça que ce film-là, en soi, j'ai pas trop de. C'est pareil, je suis plutôt dans la team. Il est chiant parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'est fatigant de voir des couleurs dans tous les sens. Ça s'arrête jamais, tu vois, le rythme il est frénétique, quoi. Mais il y a quand même un côté sympathique, une touch un peu d'années 90 dans la façon dont on s'est mis les plans. Il est complètement ancré dans son époque, quoi. Il y a un truc comme ça qui le rend sympathique, ouais, malheureusement, presque. Mais ouais, mais c'est ça, et normalement, on devrait pas avoir. On est plutôt justement à chier sur les nanars ou des trucs comme ça. On a plus honte, c'est fini. Mais voilà, c'est maintenant, on est open là-dessus. Et je vais demander à Manu, qu'est-ce qu'on a pensé justement de Batman et Robin. Tu l'avais déjà vu aussi peut-être Oui, ouais. J'ai vu plusieurs fois, t'inquiète. Ouais. Non, moi, c'est de la merde quand même. Établissons les choses. Je suis désolé, c'est plutôt nul. Alors, on n'a pas dit le contraire. C'est qu'il y a pas mal d'éléments qui sont vraiment... ce qu'ils ont fait de plus fidèle aux comics dans les films, sauf que d'un point de vue filmique et dans la façon dont il a décidé d'écrire ça, c'est totalement nanar, quoi. C'en est ridicule. D'ailleurs, bien avant Space Jam 2, on avait un caméo quasiment de Orange Mécanique dans le film. Alors ce qui est intéressant, c'est, je trouve que c'est peut-être le film qui traite le mieux d'Alfred dans la relation, le développement du personnage et éventuellement son héritage. Il y a un très bon Alfred dans la trilogie de Nolan, mais il n'a pas le même développement, en fait. C'est en rapport direct à Bruce Wayne. Ce qui n'est pas évident, c'est qu'en face, George Clooney en Bruce Wayne, c'est littéralement toujours... il te regarde de haut en penchant un petit peu la tête avec ses mains dans les poches tout le temps. En fait, il ne fait rien d'autre. Je pense qu'il sort sa main de ses poches uniquement à la fin sur le Power Rangers, le Partners, mais sinon, déjà qu'il est ridicule en Batman, mais en Bruce Wayne il donne rien, en fait. Il y a zéro implication, c'en est triste, quoi. Il a le charisme une nuit en enfer, quoi. C'est zéro. Ouais, bah après c'est George Clooney, vous le découvrez pas, hein. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Et encore, il est encore loin de ses succès. Enfin, il a quelques années de ses succès encore de début 2000, quoi. Ouais. Il y a un moment où il s'améliore quand il commence à faire ses films de connard, là. Tu parles de ces films qui arrivent, In the Air, oui. Tout seul. Oui, mais ça, c'est fin 2000, ouais, plutôt. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, et puis à côté, franchement, vous en avez parlé, les vilains, c'est ridicule. Enfin, les trois, il n'y a rien à sauver. Poison Ivy, alors ce qui est intéressant, c'est que souvent, on en fait. Enfin, c'est une éco-terroriste, donc c'est un peu compliqué. On est obligé d'avoir un discours de droite pour justifier que l'éco-terroriste. C'est vrai que j'ai pas raison. Ça. Est-ce que c'est le vrai discours du film, tu sais, le moment où elle a ses revendications, genre arrêter de polluer parce que Bruce Wayne était un putain de pollueur. Mais rapidement ça dérive, c'est juste une super vilaine lambda. Et lui il te dit mais les gens d'abord, madame, les gens d'abord. Le discours de connard, clairement. Mais on s'en fout des plans.
certaines choses qui marchent pas, voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, il y a le même discours dans Dark Knight Rises, c'est assez marrant. Ouais. Mais ouais, j'ai un peu d'affection pour, comment il s'appelle, c'est Chris O'Donnell qui joue Chris O'Donnell. Ouais. J'ai un peu d'affection pour lui, je trouve que c'est un peu triste qu'il ait eu ça comme film pour jouer Robin, parce que je pense qu'il y avait un potentiel. Peut-être. Mais que là, on n'y a pas donné grand-chose à faire et que c'est un peu triste. D'ailleurs, fun fact, hein, tout le casting, comme dit Michael Sayadas dans le chat, hein, tout le casting a demandé pardon pour le film, hein, même le réalisateur. Ouais, 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 ouais. C'est triste pour Alicia Silverstone aussi. Ouais, c'est vrai. Mais, ouais, à côté de ça, le film, c'est vraiment... Enfin, il a fait ce qu'il pouvait faire de pire sur le personnage et sur les vilains, en fait. C'est, ça n'a pas le côté kitsch pour moi de Batman 66. Là, c'est juste ridicule pour son époque, je trouve. Surtout en passant après les Burton et un Forever qui commençait déjà. Je trouve que Double Face et Tommy Lee Jones sont assez ridicules. Mais, Il a plutôt marché comme film après Batman Forever quand même. Ouais, mais il était bien mieux que ça en fait. Il était bien mieux que Batman et Robin. J'adhère tout au côté kitsch qu'il peut avoir. Je trouve que non, ça passe à côté. Pour moi, ce sera aisément le pire film de ce soir. Ok. Et Karim, de ton côté, du coup, l'expérience Batman et Robin. Alors, Batman et Robin, c'est un film, comme disait Marie, que j'ai vu en salle et que je m'étais juré de plus jamais revoir. Parce que c'est, j'avais 12 ans quand je l'ai vu et j'étais sorti. Mais tu remarqueras, mec, que tu te fais tout le temps niquer sur cette émission. À chaque fois, tu dis, ouais, je m'étais promis jamais le revoir. C'est vrai. Et hop. Vous me faites du mal, c'est pas très sympa. Et donc, je m'étais dit quand même, tu vois, bon, avec un contexte de visionnage, et pareil, c'est un film qui a été mémé, tout ça, machin et tout, je vais quand même le trouver plus sympathique. Alors, oui, mais en fait, moi, le film, il s'est passé en deux temps, c'est que, sans raconter le film, ce que l'avait très bien fait, mais le début, comme dit Marvin, tu comprends. Voilà, c'est ça en mode, ah, ok, d'accord, en fait, on regarde pas un film, on regarde une espèce de truc qui veut à la fois vendre des jouets et pérenniser une licence, je sais pas trop. Et effectivement, il devient très drôle, par contre, il devient usant, parce que ce film est beaucoup trop long, il fait plus de 2 heures. Et en fait, moi, il y a le moment où le film m'a accroché parce que je l'ai pris comme un nanar, le moment où le film où j'ai complètement perdu, en fait, je sais plus. Alfred malade, il se passe des trucs, la prison, je sais pas, trop. Et il y a le dernier, on va dire, dernier acte, où il recommence à se foutre sur la gueule, où là, il y a Robin qui essaye de choper Poison Ivy, mais il ne meurt pas parce qu'il a des lèvres en latex et parce qu'elle a la qui est bien humide. C'est pareil, il se prend un concours de beat aussi avec ça, là, pour ça, choper fou, Poison Ivy. T'acceptes pas que j'ai un truc et pas toi. C'est dingue. Et là, en fait, à ce moment-là, je disais tout à l'heure, en off, j'ai craqué, mais genre nerveusement. Et tout me faisait rire. Cette baston, la baston entre Poison Ivy au moment où Batgirl va arriver. Déjà, Robin se noie dans 3 mètres, dans 30 cm d'eau. Voilà. Batman se fait choper par les lianes et les 3 plans qu'on a, c'est sur son cul et sur sa bite. Mais t'es en mode what? Ok, pourquoi? Bref. Et ensuite, t'as l'arrivée de Batgirl. Je veux dire, c'est. Moi, j'ai ri, j'ai pleuré. Mais tu vois, c'est vraiment en mode que se passe-t-il? Et le film, il s'arrête plus. Il s'arrête plus tout le. Effectivement, le télescope éjaculateur de froid, la technologie des satellites, les crypto-nerds avec. Ah là là, putain. Pareil, il y avait des trucs, c'est genre. Il y a un moment, j'ai un peu décroché du film quand, à la fin, quand Batman essaye la grosse baston de fin, il y a quand même 2 scientifiques qui ont été décongelés et qui sont accrochés. Pendant 5 heures. Et il reste quand même pendant que le truc se pète la gueule, pendant qu'il se fout sur la gueule, il reste là et Batman regarde, fait t'inquiète, j'arrive. Et ça dure un quart d'heure. Donc, c'est et ce film, il est fou, il est juste fou. Je veux dire, c'est ouais, le coup du match de hockey, c'est même un épisode de Batman, le dessin animé, n'ose pas. Voilà, là, franchement, le côté Mr. Freeze mafieux. Avec sa girly petite pute Maman Noël là, genre il y a tout qui est bien. Même c'est Vivica Fox en plus. Ouais, même le cigare, il est, enfin il y a tout qui c'est fini. Mais tu comprends pas. Vous avez remarqué quand même que il fait l'exploit de représenter un Bruce Wayne du coup qui réussit à être plus misogyne encore qu'en 66.
Vraiment, c'est quoi. Vrai. C'est-à-dire que t'as trois trucs qui m'ont marqué. T'as Poison Ivy dans sa version docteur, tu vois. Donc elle arrive et puis tu sais, lui il se marre un peu, il a sa petite gueule sur le côté. Elle lui dit je suis docteur. Tu vois qu'il fait genre. Tu vas pas me faire à moi quoi. Je connais cette théorie. Après t'as comment. Tu vois aussi dans le film, alors ça c'est éclipsé très vite qu'il y a un espèce de love interest. Tu vois, oui. avec une pauvre ouais. Voilà, qui va être quand même traité de manière bizarre, tu vois, il va l'appeler Ivy et tout. Ouais, mais c'est qui Ivy? Oh, non t'inquiète. Et le meilleur truc c'est Bad Girl. Tu vois, Bad Girl, elle les a quand même sauvés, hein, quasiment, tu vois, elle les a sauvés de la merde, mais comme jamais une fois. Et à la fin, tu vois, il commence à se rapprocher et puis lui il fait toi tu retournes à l'école. C'est genre la cuisine quoi. Frère, moi j'adore quand elle lui dit qu'elle s'appelle Bad Girl, il fait c'est pas trop politiquement correct. Ah oui, ça. Après avoir imprimé des tétons sur l'armure du gamin qu'il a adopté. C'est ouais. Ok. Ah c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Mais c'est Michael Sayed a dit que en fait c'est un film visiblement pas écrit et c'est pas tort. Il est pas tort dans le sens où en fait le scénariste c'est Akiva Goldsman. En fait c'est quelqu'un d'assez connu à Hollywood. Parce que c'est quelqu'un qui est vraiment chargé, c'est limite sa spécialité en fait pour les adaptations de comics et de romans à l'écran. Il en a fait des tonnes et il bosse normalement aussi, il est scénariste TV pour Star Trek, Picard notamment, il avait écrit quelques épisodes. Il a été scénariste aussi d'iRobot, Je suis une légende, Da Vinci Code, vraiment que du grand cinéma quoi. Un tueur quoi. Mais un tueur, mais il obtient l'Oscar et le Golden Globes du meilleur scénario adapté en 2001. Et pour quel film à ton avis, Marvin? 2001, un film de Ron Howard. Un film de Ron Howard de 2001, c'est pas un homme d'exception? Et c'est un homme d'exception, effectivement. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est bon. Ouais, semi-hasard. Le biopic Wikipédia absolu, quoi. Ah non, c'est le proto Wikipédia, quoi. Alors que t'avais des films incroyables comme Ali qui sortaient en même temps, mais bon, c'est pas grave, celui-ci, on l'a oublié. En plus. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est pas quelqu'un qui. Qui tu sais qui le scénario, tu sais. Ah putain. Et en plus, il a pas de. En fait, c'est quelqu'un qui est extrêmement mécanique et froid dans ses adaptations. Il est très peu. Il n'y a pas de thème en fait. Lui, il n'a pas de thème en particulier. Lui, ce qu'il veut, c'est ok, je suis fan de pop culture. Je reviens j'ai un contrat et je fais ça quoi. Je reviens sur. Voilà, on vient de le name dropper. Je vous encourage à aller voir Un homme d'exception. Enfin, A Beautiful Mind en VO. Voir Russell Crowe jouer le dédoublement de personnalité, c'est quelque chose. Je vous en dis pas plus. Une expérience de vie. C'est compliqué. Vous allez voir. C'est voilà, il le joue comme Forrest Gump quoi, entre Forrest Gump et Sean Penn dans Tropic Thunder. Ben Stiller dans Tropic Thunder, tu vois. Quand il fait simple Jack, c'est à peu près ça quoi. Faut le voir comme ça. C'est vraiment c'est des représentations étranges. C'est terrible. Et d'ailleurs, Akiva Goldsman, il a fait un film qui, pareil, finira bientôt dans la shitlist aussi, je pense. C'est Un amour d'hiver, qui s'était sorti en 2014. C'est une comédie dramatique avec Colin Farrell. Mm-hmm. Un enfer. c'est pareil. Ça aussi, c'est quelque chose à voir parce que c'est gratiné. Surtout Colin Farrell, qui est là, qui est sous-usé dans ce film-là. Il est un peu fatigué aussi. Ouais, c'est une expérience. C'est une expérience et c'est un film beaucoup trop long pour les nerfs et tout ça. Mais c'est terrible. Mm. Bon voilà, on vous a recommandé plein de choses finalement avec ce film Batman et Robin. J'espère que vous y tiendrez compte. C'est un vortex qui s'ouvre. Hein, ah bah là, c'est une forte possibilité là. On a ouvert le Bat-univers là. Et on va finir cette émission avec peut-être le film de la Discord. Enfin, de la Discord, je vais aller en violence avec vous, mais plutôt tranquille. On va parler de Dark Knight Rises. Alors, The Dark Knight Rises, sorti en 2012, produit par la Warner avec un budget de 230 millions de dollars, réalisé par Christopher Nolan et le script qu'il coécrit avec son frangin Jonathan Nolan et David S. Goyer. Dernier volet de la trilogie Batman amorcé avec le volet Begins en 2005. Le film nous raconte le point final de l'histoire de Bruce Wayne slash Batman, interprété par Christian Bale, qui va devoir affronter un ennemi plus balèze que lui, Bane, sous les traits de Tom Hardy. Et au casting de ce film, on retrouve également Marion Cotillard, Gary Oldman, Anne Hathaway, Joseph Gordon-Levitt et Michael Caine. Et Karim, pourquoi ce film peut être dans la shitlist ou au contraire va être réhabilité, j'ai l'impression, parce que je me sens un peu seul dans cette bagarre. Je l'aurais pas effectivement mis dans une shitlist. En fait, le revisionnage de ce film par les biais de la shitlist, forcément, poser des questions en mode pourquoi.
Les gens n'aiment pas Sim. J'ai rendu compte qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas Sim. Ah, c'est Missing Media Raisin. Il y en a beaucoup qui le détestent, ouais. D'autres, ouais. Et vraiment, donc, quand je l'ai regardé, je me suis dit, bon, Karim, je sais pas, éveille ton œil critique, essaie de trouver. Et j'ai pas vraiment trouvé. Hein. Alors, le film est loin d'être parfait. Il y a plein de choses. Il y a des choses évidentes qui vont pas. Mais globalement, moi, je trouve que ça va. Après, pour quand même faire l'effet shitlist. Parce que j'imagine en fait que s'il est là, c'est juste parce qu'il en fallait un et que sur la trilogie parce que Nolan... il fallait une période quoi, il en fallait un par période. Et j'imagine que sur la trilogie Nolan, effectivement, pour certains, ça doit être le moins bien. Il a pour moi en fait un vrai défaut, c'est que c'est une espèce de film qui va terminer justement une trilogie et il en fait beaucoup, ce qui fait que c'est un film que je trouve qui est quand même assez dense et des fois. Le film fait 2h44, faut l'encaisser, ce qui se passe beaucoup de choses. Après, ouais, les éléments qui me vont vraiment bien dans le film, moi j'aime beaucoup le traitement de Bane en fait dans ce film-là, parce que bah, justement, ça prend l'aspect intellectuel du mec et pas juste brut. Puis il y a le côté vraiment, voilà, l'homme qui a brisé la chauve-souris, un peu comme au comic, c'est sympa. Il y a 2-3 choses comme ça, je trouve très cool. Après, il y a quand même, bon, ben, les résultats qui ont fait des mêmes. Il y a l'exception Marion Cotillard dans le film, quand même. Voilà. Et c'est même pas tant, bon, sa mort, vous en parlez si vous voulez. Voilà, c'est vraiment, en fait, ce qui a fait aussi polémique sur ce film, c'est effectivement cette scène-là de Marion Cotillard qui meurt. Bah, c'est ridicule, on peut dire que c'est ridicule, mais après, en fait, le tort est à partager, c'est entre la responsabilité d'un metteur en scène et aussi peut-être de l'actrice, mais on sait pas trop, enfin, c'est vrai qu'elle est un peu hors du temps, cette scène. Il y a une histoire entre deux, je crois, de toute façon, voilà, par rapport à ouais, un petit bif qu'ils auraient eu et... Mais le truc, c'est que ça a fait du bruit pour pas grand-chose. Enfin, je veux dire, elle est naze, mais... C'est pas ça, pour moi le problème c'est pas ça quoi. C'est, ça joue, le résultat elle démérite pas non plus. Non, ça va. Ouais, enfin le problème de ce personnage là, de toute façon pour moi c'est l'écriture déjà. Ouais, il est un peu en trop en fait, je veux dire. C'est... Voilà, en fait ils auraient pu s'en passer clairement parce qu'il pop un peu n'importe où et c'est... ça n'a rien à voir contre Marion Cotillard, le personnage n'est pas assez présent à l'écran, il n'y a pas assez de développement. Ouais. Mais c'est après, non, le film il est quand même efficace sur plein de trucs. Donc ouais, non, j'ai effectivement, je... dans une shitlist. Le bois bon peut-être de la trilogie, je veux bien l'entendre sur la trilogie de Nolan, mais après moi ça m'a pas choqué parce que je sais que les enjeux d'un film qui conclut une espèce de suite de film, de trilogie en l'occurrence, c'est toujours pas évident parce que tu veux tout y mettre, tu veux absolument tout y mettre, tout y conclure, tout y résoudre. Donc ouais, c'est si vraiment le seul défaut pour moi du film, c'est qu'à vouloir trop en mettre des fois, un peu comme Spider-Man 3 des fois, t'as l'impression qu'il en met un peu trop et ça tire un peu trop en longueur, donc ça fatigue un peu, mais en vrai ça va. En fait, ce qui est assez complexe avec A Dark Knight Rises, c'est que c'est un film normalement qui n'était pas prévu dans le deal. C'est-à-dire que Christopher Nolan, en fait, quand il a commencé à bosser sur Batman Begins, et dès qu'il avait le deal avec la Warner, c'est qu'il a signé que pour deux films. Il avait signé pour Begins et The Dark Knight. Et pour lui, en fait, les deux films suffisaient très simplement. En fait, il avait tout clôturé quasiment dans Dark Knight. Begins et Dark Knight se suivent très bien, hein, parce que dans Begins, effectivement, la fin, il y a comme quoi, bah, il y aura le Joker sur le prochain, et les films se suivent très bien. Maintenant, la clôture, je trouve que la clôture justement de Dark Knight laissait peut-être la porte ouverte à peut-être une réinterprétation ou une continuité de la part de quelqu'un d'autre, en fait, d'un autre réalisateur ou d'une autre équipe de prod. Ce qui était pas mal, je trouvais, comme idée, en fait. Et Dark Knight Rises, en fait, je sais pas trop pourquoi ils se sont mis dedans, parce qu'en fait, après Dark Knight, Christopher Nolan voulait développer son projet avec son frère, qui était Inception, qui est sorti en 2010. Et par ce biais-là, en fait, il avait d'autres projets, Christopher Nolan, il voulait mettre en chantier Interstellar, un film qu'il a écrit avec son frère, qui prenait du temps, et il voulait récupérer ce scénario de son frère, en fait, c'était son frère qui avait écrit Interstellar, il voulait le récupérer parce que c'est passé par plein de réels, normalement Spielberg devait le réaliser Interstellar aussi, et en fait, il a voulu le récupérer, sauf que, je sais pas si Dark Knight Rises est un film... entre guillemets de commande ou de service, c'est-à-dire est-ce que c'est pas la Warner qui a demandé à Christopher Nolan, écoute frérot, fais-moi un troisième et je te finance Interstellar. Donc parce que en fait le film pour moi il est un peu fainéant. J'ai l'impression qu'il est fait, il est pas aussi soigné que les deux autres en fait. Enfin Begins il est pas terrible non plus, mais on a hésité d'ailleurs. On a hésité clairement à mettre Begins ou Dark Knight Rises pour parler de peut-être un des deux. Dans tous les cas.
Bah, je sais pas trop. En fait, Begins, je l'ai pas revu. J'ai revu Dark Knight, non, mais franchement, Begins, je suis pas non. Mais je l'ai pas revu. Donc ça fait très longtemps que j'ai vu Begins, mais je sais qu'il y avait certains trucs qui m'avaient dérangé et d'autres non. Je trouve que je retrouvais pas. Enfin, je trouvais des qualités que je retrouvais pas dans les trois autres. Enfin, dans les deux autres, pardon. Et je trouve en fait que c'est un peu un film en fait où il a demandé de faire ça. J'ai l'impression que c'est plus un film de commande parce que c'est fait un peu sous le pied. C'est-à-dire que j'ai l'impression en fait que quand j'ai regardé le film, parce que je l'ai regardé juste après Inception, parce que je devais faire un podcast dessus, et j'ai remarqué que le montage, enfin du moins la template de travail, c'est la même que Inception. C'est-à-dire qu'il y a exactement les mêmes. Il a découvert le montage, j'ai l'impression, accéléré Nolan avec son monteur. Parce que, en fait, c'est très. Les scènes s'enchaînent très vite. En fait, il n'y a pas de temps mort, mais c'est pas non plus très. C'est pas trop. T'en as pas trop, en fait. C'est assez bien à bien monté. Mais il y a plein de scènes que je trouvais, en fait, où il n'y avait pas de fin, où il n'y avait pas de choc. Tu vois, des fois, il y a des moments où je trouvais pas que, enfin, je comprenais pas pourquoi ça cutait comme ça. Tu vois, genre la scène de l'avion. Moi, il y a un... On va y La scène de l'avion revenir. avec le crash, où l'avion, en fait, on le voit pas se crasher totalement, ou des trucs comme ça, qui y a des moments, t'as l'impression que c'est des manquements, en fait, et des flottements, comme tu peux avoir aussi dans Inception. Donc, j'ai pas trop compris le délire. Et puis, l'écriture, je trouvais qu'elle était pas non plus excessivement soignée. Il y a cette ellipse un peu bizarre, qu'on retrouve au milieu de film, qui fait un peu jonction entre le deuxième et le troisième acte. Qui est pas mal parce que c'est enfin, en fait l'ellipse je comprends l'idée parce que c'est l'émasculation un petit peu du protecteur de Gotham en fait qui voilà Gotham se retrouve désemparé sans son héros et je trouvais ça assez intéressant. Par contre c'est vrai que l'ellipse comment elle est faite et comment les choses se découlent je trouvais ça pas vraiment très très dire très très immersif parce que j'y croyais pas vraiment en fait à ce qui se passait devant l'écran. Il y a plein de choses comme ça qui m'a un peu mis hors du temps, hors du jeu en fait. Et je trouve ça dommage parce que Christopher Nolan, moi ce que j'aime dans ses films, c'est qu'il est très fort dans l'immersion en fait, dans ce qu'il propose en fait dans les différents films qu'il a Et dans fait. la gestion du temps, dans la narration aussi, normalement. Ouais, C'est le cœur de tout ce qu'il fait en fait. C'est ça. Et là, je trouvais ça un peu dommage en fait par rapport à ce qu'il nous avait déjà fait en fait. Et ça m'a plutôt déçu parce que je l'ai vu au cinéma, j'étais quand même un. Bah, je pense comme tout le monde, tu vois, j'ai beaucoup apprécié The Dark Knight à l'époque de la sortie et quand il est débarqué au cinéma, tu vois, j'étais dans les premiers pour aller le voir, j'étais super chaud. Et il m'a vraiment déçu parce que effectivement, je retrouvais peut-être pas la patte ou le dramatisme. Enfin, il y a du dramatique un peu dans ce film-là quand même, mais je sais pas, j'étais vraiment hors du film. Je pourrais pas vous dire vraiment pourquoi parce que j'ai plusieurs choses qui m'ont un peu embêté. Mais après, c'est pas voilà, c'est pas un mauvais film. C'est juste qu'effectivement, je m'attendais pas à ça et il y a beaucoup de choses qui m'ont un peu mis hors du film. Et très, je trouve, c'est beaucoup d'exposition sur exposition, un peu comme Inception aussi. Inception, pendant 1 heure, c'est beaucoup de ouais, on t'explique les règles et tout comme ça. Et là, j'ai l'impression que c'est pareil. On t'explique, ah bah oui, ah oui, bah Alfred, il va me quitter. Alfred, tu me quittes pas? Oui, Alfred. Oh bah Alfred, regardez, il est triste. Ah. Au bout d'un moment, tu vois, c'est long. Je suis là pour voir Batman, je suis là pour voir quand même de l'action. Enfin. Je sais pas, j'étais vraiment hors du temps et c'est pour ça qu'il m'a un peu rendu bizarre ce film et je me demande justement si c'était pas lié à un truc de commande en fait. Si c'était pas ça en fait l'intérêt du film, c'était de faire ce troisième pour dire bah voilà, je vous fais le troisième, vous filez pour Interstellar parce qu'en plus il a cartonné. Dark Knight Rises, c'est un des films le super-héros qui a le mieux marché, du moins dans sa période parce qu'il a c'est le premier, si je dis pas de conneries, qui a atteint 1 milliard, il me Ouais. semble, en recette. Donc ça a été un succès énorme, mais une putain de déception. Donc voilà, j'avancerai un peu plus sur ce que j'avais pensé du film au travers de ce que vous allez dire. Mais Marvin, pourquoi justement toi tu as apprécié justement Rises plutôt que par En fait, exemple Begins ou Dark Knight par exemple? ouais, j'aime pas trop Begins pour plein de raisons, je sais pas, mais je pense que Rises, il bénéficie, je pense, du recul qu'on a dessus maintenant. Je pense vraiment que les années qu'on a eues pour réfléchir et pour aborder ça pour aborder la trilogie comme un objet unique quasiment. Je pense que ça lui fait je pense que ça lui fait du bien, en fait, parce que il y a gros 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 problème de contexte hein, aussi quand même, qui explique énormément de choses. Fin de Dark Knight, décès d'Heath Ledger, déjà, L'interprète quand du même. Joker, ouais. Donc problématique déjà, énorme problématique. C'est-à-dire que après l'espèce de vague d'amour, tu vois, aussi populaire que critique d'ailleurs, qui était quasiment inattendue, hein, genre, la sortie de Dark Knight, c'était quand même un truc de malade pour ceux qui l'ont vécu, quoi. Voilà. Après Begins, tu vois, je me serais jamais attendu à ça, par exemple, quoi. Et Pensant. du coup,
Ben forcément, tu vas avoir des problèmes narratifs, tu vois. Et c'est vrai qu'on attaque pas mal le film, ça se fait en plusieurs parties, sur des lieux communs, j'ai l'impression, de Nolan, tu vois. Pour moi, sur des défauts qu'il a, qui sont inhérents à ce qu'il fait. Notamment les scènes d'action, effectivement. En général, et que pour ce coup-là, je suis pas persuadé que ça soit le film qui se prête le plus à ce genre de critique. Tu vois, on l'attaque beaucoup sur, justement, son découpage, que ça soit dans l'action ou pas dans l'action. Oui, on peut le dire, c'est pas un très grand réalisateur d'action, ça on le sait, il y a tous ces faits qui sont établis, comme quoi il n'utiliserait pas de seconde équipe, comme quoi il filmerait tout lui-même. Ouais, ça se voit, enfin par moments, non mais par instant ça peut se voir, ça se voit. Je pense à l'affrontement final, tu vois, entre les flics et l'armée de Bane, ouais, t'as un c'est plan un match de, grue, de catch t'as, géant, quoi. Même pas un plan de Bane, hein. Ouais, ouais, non mais bien sûr, t'as un plan de grue, 4 contre-champ, tu vois. Le problème majeur de Nolan, c'est même pas forcément qu'il utilise un découpage basique finalement, c'est qu'il a un problème de contextualisation de l'action. Je pense que c'est voilà, ça fait partie de ces réalisateurs qui sont vraiment qui ont vraiment le cul entre deux chaises, entre être un réalisateur de blockbuster populaire vraiment à l'extrême et un réalisateur de blockbuster d'auteur en fait. Ce qui fait que du coup, tu sais, il est obligé parfois de caler des scènes au chausse-pied dans certains de ses films. Tu parlais d'Inception. Ouais, Inception qui reste un film dont le propos est centré sur des gens qui s'introduisent dans les rêves des autres. On fait un blockbuster populaire, on est obligé de caler des scènes d'action, et donc ça se résume à des gunfights un peu débiles, tu vois. Ça devient tout de suite un peu bête dès lors que ça doit commencer à se taper, quoi. Dans Batman, on a beaucoup moins ce problème de contextualisation parce que je pense que l'action fait quand même partie intégrante de l'univers et que c'est pas vraiment difficile à justifier, quoi. Et après, sur le rythme du film, bah, y a un autre souci quand même qui provient justement du contexte post-Dark Knight, quoi, c'est-à-dire la mort d'Heath Ledger, et ça veut dire qu'on a, je pense, tout un arc qui était parfaitement établi, qui pouvait suffire à lui-même, mais qui en même temps pouvait amener à une résolution, tu vois, des enjeux qui sont posés dans Dark Knight, du coup qui auraient dû être résolus dans Dark Knight Rises, puisqu'il y avait éventuellement cette histoire de procès du Joker, ce truc-là, qui aurait pu amener jusqu'au bout du voyage du héros, si tu veux. Malheureusement, c'est pas possible. Il a je fait le choix. Je pense qu'il y avait peut-être moyen de développer l'histoire de la machine omnisciente, ouais. On va dire. Parce qu'elle est à peine mentionnée dans Rises. Ouais, ils en parlent quasiment plus. Et donc, je pense qu'il a fait le choix plutôt bienveillant et logique de ne pas réemployer le Joker, puisque pour le coup, il est complètement squeezé de l'univers. Mais ça veut surtout dire que plutôt que de résoudre, eh ben, tu vas devoir refaire un tiers d'exposition, un tiers d'action, un tiers de résolution sur un film de 2h44 finalement. Tu vois. Et c'est assez compliqué à gérer. Quand bien même lui a cette manie un petit peu d'utiliser le temps de manière, on va dire, un peu fluctuante. Hein, et je suis pas forcément fan de ces trucs-là. J'ai déjà dit que j'avais beaucoup de mal avec Dunkerque, notamment parce que je trouve que sa multitemporalité alourdit complètement le truc, tu vois. Là, tu vois, le film est attaqué encore sur un lieu commun, c'est-à-dire qu'on parle énormément d'incohérences. Voilà, bon, déjà, ce qui est un principe, je trouve, un peu bête, quoi. Ouais. Mais les incohérences, faut arrêter un petit peu. Mais bon, bref, c'est pas grave, on n'est pas sur un faux raccord à l'oscillé. Allez, c'est pour vous. Non, mais voilà, c'est gratuit, prenez. Mais du coup, non, en fait, le film utilise simplement la logique narrative hyper simple de l'ellipse. Voilà, je veux dire, c'est une figure évidente du cinéma de Nolan, à la différence près qu'il aime bien ne pas te démontrer que tu viens d'assister à une ellipse. Alors, tu peux très vite avoir du mal, tu vois. Je veux dire, j'ai vu beaucoup de critiques très récemment. Oui, les allers-retours de Batman entre Gotham et sa prison, tu vois. Non, en fait, tu peux comprendre via la bombe, par exemple, que ça se passe sur, je sais plus, 3 semaines, je crois. Voilà, donc il n'y a rien de totalement incohérent dans Rises. C'est juste qu'effectivement, cette manière d'utiliser c'est l'ellipse, pas montré, voilà, c'est pas démontré. Donc voilà, tu peux un peu te paumer, mais bon, ça me semble pas. Tu vois, les mecs, ils auraient voulu un montage de 12 minutes avec Bruce Wayne qui sort de son lit, qui s'introduit dans un avion et puis qui revient à Gotham. C'est pas le sujet, quoi. Je veux dire, regarde ce qu'on te montre et cherche pas ce qu'on te montre pas. C'est pas la peine. Après, moi, le film, je le trouve vraiment réussi sur plusieurs aspects. Déjà parce que j'aime énormément le personnage de Bane, en fait. Même s'il a une résolution qui est effectivement très décevante. Le dernier acte de Bane est catastrophique, tout ce qui se passe devant la mairie et tout. Par contre, ouais, moi, j'aime cette bien... révélation, enfin cette révélation de relation avec le personnage de Marion Cotillard, qui est un peu, ouais, c'est un peu téléphoné. D'accord. Cette vraie fausse révélation qu'on a sur la fin là.
Mais sinon, je trouve le personnage, et puis surtout Tom Hardy, en fait, je le trouve vraiment super là-dedans, tu vois. On va dire que je pense que c'est un de ses deux rôles marquants, dans de la grosse prod, je veux dire, tu vois. Mm. Il a ce côté un peu animal, il a ce truc, tu vois. C'est assez intéressant de voir Christian Bale, d'un côté, être pour la première fois, je pense, dans cette trilogie-là, confronté à un autre performeur, tu vois. Parce que Tom Hardy, alors à ce moment-là de sa carrière, il ne le fait plus vraiment maintenant. Big up à Venom 2. Mais c'est quelqu'un qui avait vraiment un jeu physique, tu vois. Et qui transformait son corps. Voilà, je veux dire, il n'y a qu'à voir son physique entre The Machinist et Non, je parle de Tom Hardy. Ah oui. Entre The Dark Knight et par exemple, tu vois, Warrior, ce genre de truc. Mmh. C'est quelqu'un qui transformait son corps. Et puis en plus de ça, il y avait ce truc-là. C'est pareil qu'il a aussi dans Warrior, c'était le charisme vocal, en fait. Il y a vraiment un super boulot qui est fait sur la voix de Bane, sur sa manière de prononcer. Je crois qu'il s'est inspiré d'un chef gitan irlandais ou je sais pas quoi. Tu peux retrouver les vidéos de l'exemple, en fait, du mec qui lui avait servi d'exemple, et je trouve que en fait ça marche super bien, quoi. Il y a vraiment un charisme vocal de ce personnage qui était vraiment hyper marquant, quoi. Puis super bien designé, tu vois. Et voilà, je trouve ça vraiment cool. Et puis il y a cette manière de l'aborder comme une antithèse qui est assez intéressante. Je veux dire, c'est Batman qui aurait pris le mauvais chemin, tu vois, finalement. Ils ont quasiment les mêmes origines. Finalement, ils ont des motivations qui, dans cet univers-là, sont pas complètement déconnantes. Tu vois, alors sans vouloir être d'extrême gauche sur le coup. Mais c'est pas, tu vois, je veux dire, voilà, c'est ça me fait penser un peu au rapport, tu sais, dans les films de Del Toro avec les méchants. C'est-à-dire que c'est ton héros qui aurait pris une mauvaise direction, quoi. Ce que tu retrouves dans ces trucs-là, genre Hellboy. Mais là où vraiment, pour finir, je trouve le film est, je pense, assez brillant, c'est sur ce qu'il réussit à faire, en fait, pour terminer la trilogie, tout bêtement. Ce qui n'est pas quelque chose qu'on voit souvent. C'est-à-dire qu'il arrive à terminer le chemin du héros, en fait. Et c'est ça qui est vraiment satisfaisant. C'est-à-dire qu'il faut réussir à terminer ce personnage de Batman. Et l'objectif, quelque part, c'est, je pense, tu vois, finalement, accorder le répit à Bruce Wayne en achevant totalement la construction de Batman qui s'étale sur 3 films. Et là, ça marche, quoi, tu vois. T'es parti de Begins, t'es parti du... Aussi. Hein, en ouvrant une porte à une succession aussi. Ouais, bien sûr, mais c'est parti de Begins avec cette histoire d'utiliser sa propre peur contre sa personne, quoi, quelque part, de dominer sa peur pour les vaincre. Et puis après, t'es passé à Dark Knight avec quasiment le fond du fond des dilemmes moraux, tu vois, jusqu'où est-ce que tu peux aller. Et là, t'arrives à vraiment l'aboutissement, genre maintenant, qu'est-ce que tu dois t'infliger physiquement, finalement, pour avoir le droit, tu vois, de devenir un héros, et puis qu'est-ce que tu dois faire pour retrouver ta peur, parce que finalement, c'est ça le moteur, et c'est ça que je trouve brillant dans ce que le film raconte, c'est comment tu vas faire pour retrouver la peur, tu vois, celle qui va te faire survivre, qu'il avait perdu, parce qu'en fait, Batman, c'est là où c'est intéressant, c'est que tu comprends que la seule chose qui le motive, finalement, c'est une pulsion de mort, quoi. Il en a plus rien à foutre de mourir ou pas, il a presque envie de mourir, quoi. Et voilà, je trouve. Il en a plus rien à branler parce qu'il a perdu l'amour de sa vie, entre guillemets. Ouais, voilà, effectivement. Et en plus, putain, c'est tellement cruel. Enfin, bref, voilà, quoi. Mais voilà, en fait, c'est juste une pulsion de mort, tu vois. Il y a quelque chose de quasi schizophrénique dans ce qu'il est. Et cette manière, alors qui est très symbolique, effectivement, en passant par la prison, l'espoir, le ciel, en haut, ouais, ok, d'accord, c'est du symbolisme basique, mais voilà, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Redevenir, en fait, quasiment humain, tu vois, tu redeviens la personne que tu étais avant d'être Batman, et tu peux quitter ton personnage tranquillement. Et voilà, moi, je trouve que c'est quelque chose qui marche bien. J'ai juste un détail qui m'emmerde, j'en avais déjà parlé, je suis toujours un peu exaspéré par ce contre-champ final. tu sais, sur le visage de Michael Caine, et ah oui, j'aurais oui, trouvé oui. ça tellement magnifique que ça s'arrête là, tu vois. Et ouais, voilà. c'est vrai que ça aurait été un beau plan, là. Il y a juste à regarder et qu'il sourit, en fait. Tu vois, ce hochement de tête, et je me suis dit, ouais, générique, on y est, et non, il y a un contre-champ à la con, et ça, c'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment con, ouais. c'est un détail, vous me direz, mais c'est vraiment dommage. Mais non, non, honnêtement, je le trouve à la hauteur, compte tenu de son contexte de production, je le trouve vraiment largement à la hauteur de ce qu'il pouvait faire, vraiment. Chagriné, moi, c'est peut-être le personnage de Catwoman, interprété par Anne Hathaway. J'en ai pas parlé, mais moi, je trouve qu'elle marche bien. Elle marche bien. Ouais, alors, pourquoi il marche bien? Parce que c'est ça que je comprends pas, moi, j'ai eu beaucoup de mal. Parce que c'est Anne Hathaway, déjà. Ouais, non, mais d'accord, mais... en fait, il va falloir m'expliquer, parce qu'en fait, le truc, c'est que je comprends pas. En fait, je l'utilité du perso. En fait, l'utilité, c'est à la fin, tu vois. Bon, ok, d'accord, en fait, ça fait partie de la rédemption de Batman, mais. Bah, quand même, ouais. Mais.
je trouve qu'en fait son développement et tout, elle personnifie la victime de ce que le film, alors pas dénonce, parce que non. Ah oui, mais ok, c'est entre deux mondes aussi, tu vois, dire. C'est du symbolisme total. C'est le, contrepoids de Bane dans le côté gauchiste du film. Ah, oui, bien sûr. Non, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Oui, parce qu'en plus, le film raconte un peu l'histoire d'un anti versus un pauvre, quoi. C'est le droitard versus le communiste, quoi. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'en fait, oui, ouais, c'est vrai que maintenant, en y pensant, ouais, Catwoman, elle paye un peu le prix de cette baston, quoi, entre guillemets, quoi. Mais ok, mais bon. Bref. Et puis bon, finalement, tu vois, tu laisses Bruce Wayne, qui est quand même un milliardaire extrêmement égocentré, quoi, retrouver son salut au travers de la quasi-classe ouvrière, tu vois, c'est quand même un truc qui symboliquement est assez fort, quoi. Non, mais c'est ça. Ouais, c'est vrai. Bah, et puis, il y a ce que aussi, j'avais remarqué un petit peu en regardant le film, c'est que il y a une espèce de substance de post 11 septembre, tu sais, où en gros on te dit, en fait, peut-être que l'ennemi, il est intérieur, quoi. Peut-être qu'en fait, le démon qui nous tape à la gueule, en fait, il vient du fond et c'est vrai, vient de c'est chez vrai nous, que quoi. C'est vrai qu'on l'a pas dit. Ça, c'est un produit de notre. C'est surtout ça. C'est un courant du cinéma américain qui me fascine en général. C'est vraiment le cinéma de l'après 11 septembre, quoi. Bon, qui était complètement le cœur de The Dark Knight, en fait. Hein. C'est la guerre des mondes de Batman, quoi, tu vois. Mais vraiment, tu vois. Et Dark Knight Rises, oui, c'est le prolongement total, évidemment, quoi. C'est l'ingérence qui suit ces événements-là. Ouais, c'est exactement ça. Manu, de ton côté, Dark Knight Rises. Ah, je vais essayer de me mettre dans un esprit critique pour, pour essayer c'est de faire un truc, mais ça va être difficile. C'est marrant, tu comparais le film tout à l'heure à Inception. Moi, il me rappelle beaucoup dans sa construction et dans un de ses twists sur Talia. Une tentative de refaire le prestige dans certains côtés. Peut-être deux antagonistes. Ouais. Enfin, un antagoniste, c'est beaucoup moins bien géré, notamment ouais, sur la révélation que le gamin depuis le début n'était pas Bane, mais était Talia. Tout le côté montage le prestige avec tous les gens qui parlent de ce gamin. Fonctionne très mal, je trouve, au revisionnage. En fait, tu vois que c'est vachement au chausse-pied, justement. Mais à côté, peut-être que le film peut paraître un peu long et que son troisième tiers, c'est un peu plus compliqué. Je peux comprendre des gens qui sont perdus par le montage et par les ellipses, en effet, par certains trucs qui semblent un peu rapides, des changements de situation qui sont un peu brusques. Cependant, je sais pas. Alors le film est long, en effet, de toute façon, de facto, mais il adapte quelque chose qui est pas facile, qui est la prise de Gotham, quelque chose qu'on a vu plusieurs fois dans les comics, mais ça adapte notamment Nightfall, qui a un très long arc de Batman contre Bane. Et je trouve qu'il le fait pas mal, en fait, qu'il reproduit bien cet esprit long, pénible qu'on peut ressentir en lisant ce genre d'event. C'est un peu comme le combat de Superman contre Doomsday, par exemple, de l'autre côté, qui est rushé quand on le voit en film ou en série, mais qui est une longue saga, en fait, qui dure un moment. Cet affrontement dure assez longtemps. Mais ouais, moi je. Bah, en fait, tout ce qu'a dit Marvin, je suis plutôt d'accord. Je trouve que c'est vraiment je trouve que c'est un bon film. Une critique que je pourrais faire, c'est que je trouve qu'il va un peu tout droit là où on l'attendait. Le passage de relais, le côté James Gordon-Levitt, c'est un futur Robin ou un futur Batman. Je l'avais grillé dès là. Enfin, c'était grillé dans la bande-annonce. Ouais, je pense que c'était pas dur. Et la scène de fin, je l'avais visualisée avant même d'avoir vu le film, en fait. Ce passage de flambeau où il y a la Batcave. Pour moi, ça semblait assez évident. Mais non, moi, c'est un de mes préférés, en fait. J'aime tous les films de Nolan. J'ai jamais trouvé que c'était des bons films Batman. Mais je trouve que c'est des bons films d'action, en fait, des bons films de des bons polars, en fait. Ouais, polar super héroïque. Ouais, Begins, ouais. C'était un petit peu plus comics. Moi, j'aime beaucoup Begins. Je les aime tous. Et en fait, celui sur lequel j'ai le plus de réserve, à la rigueur, c'est The Dark Knight. J'ai un effet un peu bizarre j'arrive pas à m'auto-persuader que c'est vraiment un bon film et pas qu'il est hypé de facto par la mort d'Heath Ledger. Alors si, il y a de ça. Il y a forcément ce mystique un petit peu. C'est ce qui me fait des réserves dessus, alors que j'ai beaucoup plus d'affect, en fait, avec Rises, par exemple. Après, il y a deux trucs, juste vite fait, bah vas-y, finis.
Et il y a un truc aussi que j'apprécie beaucoup dans ce film, c'est que juste avant que Zack Snyder arrive, puisque Man of Steel c'est l'année d'après, on a un Batman qui dit texto pas d'armes, pas de meurtre, quoi. Il dit officiellement non, c'est pas mon truc, quoi. Dès l'année d'après, Superman va tuer et son Batman par la suite aussi. Donc moi c'est quelque chose auquel je suis attaché quand même par rapport au personnage. Il y a certaines libertés avec lesquelles j'ai aucun problème. Le fait de tuer comme ça, j'ai un peu plus de mal. Mais non, moi j'aime beaucoup Rises, hein, j'aurais du mal à le... Alors déjà, je le sous-entendais tout à l'heure, tu pars avec le handicap que je ne peux pas dire qu'un film avec Kan Atawa est un mauvais film. Donc le diable s'habille en Prada, pour toi, c'est genre un chef-d'œuvre. C'est hyper bien. Super. C'est hyper bien. Chef-d'œuvre. Mais oui. Non, mais allez-y. Non, mais... On fera un bonus, le diable s'habille en Prada, si tu veux. Il y a un truc que j'ai pas dit, mais qui m'intéresse vachement dans le cinéma de super-héros, en fait, c'est tout bête, c'est le travail d'iconisation. Voilà, je pense qu'il est presque plus important. Alors, même si le film est joli, hein, je sais pas, genre Wally Pfister, c'est pas un super réal, mais quand il bosse avec Nolan, ça plutôt, non, en général, c'est ça pas se passe un super réal. Ouais. Ouais, non, c'est sûr. Transcendance. Mais, transcendance, c'est pas ouf. Mais par contre, je trouve que le travail d'iconisation de Batman, bah, personne ne réussit à le faire comme Nolan, quoi. Mmh. Bah, tu vois, je veux dire, que ça soit avec la musique tonitruante, je crois que c'est Zimmer et Newton Howard, son entrée dans le champ, la manière dont il occupe le cadre, où il rentre à chaque fois. Alors si avec ça tu chiales pas ta mère, franchement, tu vois. C'est ton arrivée dans le tunnel au début, incroyable. Ah, je la trouve fabuleuse, quoi, vraiment, tu vois, son arrivée dans le tunnel, le close-up après, sur la première fois où tu le vois, la lumière et tout, et ça dans les trois films, c'est un truc qui dure, quoi, je veux dire, en termes d'iconisation, c'est quasiment ce qu'il y a de plus important. Ouais, la scène de fin de Dark Knight, la réaction des flics avec celui qui n'a pas connu et celui qui a connu, quoi. Je veux dire, tout de suite, t'as compris, tu vois, il n'y a jamais rien de ridicule, c'est difficile de pas rendre ça ridicule. Faut le savoir, c'est compliqué. Surtout un personnage comme Batman qui est déguisé en chauve-souris. Surtout que dans ce film-là, il le filme deux jours. C'est le truc le plus difficile à faire avec Batman. Il le filme deux jours. Et non, voilà, tout le travail d'iconisation. Et je pense vraiment super réussi, tu vois. Comme tu disais tout à l'heure, on voit ce qui se passe quand on essaye de nolaniser Superman, tu vois. Voilà, ça donne Man of Steel, quoi. Débrouillez-vous avec cette info-là, mais... mais quand même, quoi. Et ça me fait juste penser à... tu vois, ça fait quelques années que l'univers cinématographique DC nous bassine avec sa tentative de faire, de donner à ses admirateurs, qui sont 3 ou 4 je pense maintenant, des films, tu vois, dark et mature, parce que la photo est noire et parce qu'ils sont un peu plus violents. Mais en fait, cherchez pas, vous l'avez déjà. Tu vois, je veux dire, vous savez ce qu'il faut faire pour atteindre ce public-là. C'est-à-dire qu'il faut simplement le traiter humainement. avec un angle, on va dire, un parcours du héros qui est absolument balisé, mais humain, en fait, tout bêtement. Et puis mine de rien, si tu veux choper un public plus mature, ben il faut tout bêtement citer des choses qui lui parlent, tu vois. Et je pense que c'est pour ça qu'on a aussi un côté un peu manien depuis Dark Knight, quoi, vraiment. Voilà, qui cite ouvertement, ouais, hit en permanence, quoi, par exemple. Mais je veux dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est là où il faut aller choper tes références, c'est comme ça qu'il faut iconiser ton personnage, ça sert à rien de le filmer en le comparant à une statue grecque, comme dans BVS, tu vois. Mais là, il continue justement à prendre cette logique justement de Christopher Nolan, c'est de le caractériser, là, cette fois-ci, plutôt dans un polar à la David Fincher, justement, ça va être le cas du dernier film. Ouais, mais après, Batman, c'est un polar. Oui, à la base, oui. Quelque part, tu vois. C'est détective comics, quoi, là. Ouais, c'est détective comics, donc c'est quelque chose qui s'y prête, et c'est ce que je disais au début quand je disais que c'était cinégénique. C'est typiquement le personnage, peut-être le seul avec lequel tu peux faire ça, en fait. Voilà, tu peux raccrocher Batman au néo-noir, hein, tu peux raccrocher... Oui. Non, mais c'est clair. Voilà, Batman au polar hardboil, c'est ce qui se passe, là, tu vois. Tu raccroches Batman au néo-noir de Michael Mann, voilà. Et ça marche. Ouais, non, mais Thomas Crémon, t'as raison. Zaz, il aurait fait un Batman qui mord le Joker et lui aurait filé un virus inconnu, c'est pareil. Mais c'est un peu le cas du jeu, mais c'est l'inverse. C'est Joker qui file une maladie à Batman, ou je sais plus, dans le cas, dans Arkham Knight ou un truc comme ça. Il y a un bail comme ça où il se chope un virus. Arkham City, je crois. Ouais, c'était ça, je crois. Ouais. Mais ok. Mais ouais, non, mais moi, ça m'avait plutôt déçu, même au revisionnage. Mais bon, après, voilà, vous avez les arguments. Moi, c'est vrai que c'est pas un film qui m'a vraiment...
J'étais beaucoup, beaucoup trop déçu par rapport au tournure du film, quoi. Mais bon, y a un autre truc qui va tout droit, mais qui va là où il fallait que ça aille, c'est la relation avec Gordon, que je trouve très bien, moi aussi. Mmh. C'est exactement, ça nous donne ce qu'on veut. Mais c'est le Michael Caine show, un petit peu, quand même, parce qu'on le voit souvent, en fait, assez régulièrement. C'est pas Gordon, c'est Gary Oldman. Gary Oldman, ouais, mais même son de Alfred, on le voit souvent, en fait, il est souvent remis comme ça, un petit peu, il le Michael Caine show. Michael Caine, mais il est incroyable, je sais bien, mais c'est des fois, moi, ça m'a fait rire, parce que des fois, il le mettait beaucoup de terre, un peu régulièrement, on l'oubliait pas, il est là et mais toujours en train de chier. C'est son seul repère dans la vie aussi. Oui, non, mais je sais bien. Et il l'abandonne dans le film. Et tu le vois plus d'ailleurs. Michael Caine disparaît. Si, il disparaît, mais il revient à la fin. Sur ce plan final là. Bah, oui, quand il dit Trust You, ouais, c'est le plan chalade, quoi. Mm. Mais ouais, écoutez, c'est tout pour Batman Rises. On va pouvoir passer, clôturer cette émission et passer au courrier des Durandos. Mais Karim, t'as parlé de Rises? Oui, là, il a parlé de c'est ou pas le doute. Ou pas le doute. Alors, Courrier Durandos, c'est un peu votre moment pour exprimer quel est pour vous le pire Batman. Et le chat, préparez vos réponses avec le pourquoi c'est le pire Batman selon vous. Donc, n'hésitez pas. Et je vais prendre les avis que j'ai eus sur Twitter et Instagram. Et on commence déjà dans le dur directement avec la plus belle parodie porno de Batman, Batman Triple X, avec Robin qui ressemble à Emmanuel Macron. Ça, c'est le frérot Prodigy qui a balancé. Exactement ça. C'est très, 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 très mal tourné comme esprit, effectivement. Et j'ai vu que Daniel avait répondu que c'était loin d'être le pire. Tout le monde. Alors, c'est vrai que Batman v Superman est souvent revenu dans les réponses. Malheureusement, si on l'a pas fait ce soir, c'est qu'on l'a déjà fait dans le pire Zack Snyder, qui est notre quatrième épisode, je crois. Vous pouvez aller voir ça, c'est pas joli. Hein. C'est pas Jojo. On a Commander Guillaume Mathias Guigui qui nous dit c'est Batman et Robin, bien sûr, il n'y a pas photo, et c'est sûrement le cas dans tous les multivers où le podcast Shitlist existe. Oui, bah, très probablement, ouais. Référence à The One, du coup. Exactement, référence très bien planquée. Ace Modet nous dit Rises, obviously. Bah, oui, effectivement, enfin, Rises, c'est en fait. Je pense que. Non, je sais pas. Non, mais je sais pas. Ça en voudrait fait, dire que c'est pire que Batman Forever ou Batman et Robin. Ouais, en fait, je sais pas, le Rises, il a quand même déçu pas mal de gens. Et je pense qu'effectivement, c'est. Comme on l'a dit, peut-être qu'on n'a pas. J'essaie de m'analyser en disant pourquoi moi je suis passé à côté. Mais tu peux passer à côté de ça et pas considérer ça, désolé, comme le pire des Batman. Je veux dire, c'est. Le film, c'est pas. Il y a un naufrage en rien. Tu peux ne pas aimer. Et de là, considérer comme le pire. Faut pas dire franchise Batman et toutes les adaptations de Batman, c'est chaud quand même. Ouais, non, c'est vrai. Je sais pas, tu vois. Donc, objet filmique, déjà, c'est. Le moins bon des Nolan, tu peux y aller, mais effectivement, ouais peut-être non, le pire des Batman, non ça, plus, c'est chaud. Bah, ça se discute, mais pour moi, ça reste encore une discussion ouverte. Le pire des Nolan, le pire de la trilogie Nolan. Ok, très bien. Et le pire des Batman, sans déconner, je veux dire, c'est. Waouh, bah, calmez-vous. Ouais, quand même. Peut-être parce qu'il n'y a pas de bat-échelle. Peut-être qu'il n'y a pas de bas de goût. Ouais, les animaux ne sont pas assez piégés aux explosifs. ça doit être ça, oui. Gray nous dit, il n'y a pas de mauvais film Batman. Beaucoup disent ça aussi, d'accord. Ça n'existe pas, les mauvais films Batman. Batman et Robin est merveilleux. Pareil pour le Batman des années 60. Bon, en vrai, BVS, c'est quand même pas fou. Ça, il y a quand même une ligue vraiment qui se met contre BVS. Hein. C'est quand même assez... Ouais, non, c'est vrai. C'est assez incroyable que quand même beaucoup de monde se mette à chier sur BVS. Je trouve ça beau, à la limite. Ça tu vois, ils ont pris du recul aussi. Ouais, parce qu'il y avait quand même, une sacrée baston au moment de la sortie de BVS aussi. Hein. Pas mal, c'était pas mal de gens étaient divisés aussi. Hein, de se dire, ah ouais, non, c'est trop bien, regardez, Batman, il est trop cool. Zack Snyder, il s'est bien filmé, c'est trop bien. Il s'est caractérisé son personnage, trop cool. Vous avez vu, waouh! Ouais, si ça leur plaisait d'avoir Batman qui marquait les gens au fer rouge et qui tirait avec des gros flingues sur les gens. Chacun son d'elle. Chacun son truc, hein. Je vais pas vous chier dessus, mais bon. Hein, moi, je me suis choqué par ça quand même. Mais c'est pas que vous méritez pas. Ah, t'es de goulag, quoi. Oh putain. On nous dit également sur Instagram, Modo Tillian nous dit Batman Forever, rien que pour la prestation de Tommy Lee Jones, effectivement, double face. Tommy Lee Jones dans un Batman, déjà, c'est quand même. C'est improbable. Vous vous rappelez qui était le premier Harvey Dent aussi. Hein. Ah putain, mais oui. Dans le Batman de Tim Burton. Ouais. Putain, c'est vrai. On a Rem Potatoes qui nous dit Batman et Robin à la fois culte et malaisant, des tétons de Batman jusqu'au punchline de Mr. Freeze, une vraie expérience. Bah, Batman et Robin, de toute façon, c'est celui qui est quasiment revenu dans toutes les critiques, hein, généralement. Ouais, bah, bien sûr. Skull King nous dit le premier Batman de Tim Burton, c'est quand même vraiment pas ouf, il faut dire ce qui est. Alors lui, il a décidé là, de peut-être foutre le feu. Mais là, moi, mec, je sais pas qui tu es, mais respect. T'es dans ma team.
Alors, je suis d'accord avec lui. Ouais. Pourquoi le premier Batman de Tim Burton peut être considéré comme pas ouf? Je sais pas, après, c'est quelque chose. En fait, c'est tellement surestimé. Surestimé peut-être, je dis pas. Je sais pas si on peut dire surestimé. Mais... Parce qu'il y a des gens, je pense, qui le kiffent même sans l'avoir vu. Après, pas ouf, ouais, enfin, c'est quand même bien, tu vois. Ouais, j'arrive à comprendre pas... qu'il y a des gens qui aiment pas parce qu'en vrai, c'est... tu t'attends. En fait, moi, déjà, je suis pas fan de la direction artistique, mais alors jamais. Tu vois, le néo-gothisme de Tim Burton, c'est pas un truc qui me parle, quoi qu'il arrive, quoi. Donc, pour le coup, ça marche aussi. Ouais, non, mais ouais, voilà. Voilà, et puis je trouve que Jack Nicholson, quoi. Ok, ouais, cool. Mais non, je suis vraiment pas. Puis moi, j'aime pas trop Michael Keaton non plus. Il y a pas grand chose pour m'attirer là-dedans, tu vois. Et bizarrement, à côté de ça, j'aime beaucoup Batman Returns, par exemple, quoi. Je trouve que c'est plus intéressant en termes d'enjeu, voilà. Et puis il y a le personnage de Catwoman qui, pour le coup, est peut-être interprété par Michelle Pfeiffer. Mais non, ouais, c'est pareil, moi, Batman 80, c'est quoi, c'est 89, un truc comme ça. Ouais, je crois. Plus, ouais, Batman 89, ouais. Ouais, non, c'est pareil, je suis pas du tout. Je crois que c'est la direction artistique qui me bloque vraiment. Il va revenir. Tim Burton ? Ah ouais, non, Michael Keaton. Mais non. Ça, Michael Keaton. Tim Burton, ouais. Non, bah non, c'est bon, laissons-le là où il est, mais effectivement, oui, c'est vrai qu'il y avait Michael Keaton qui était prévu. Tiens, il y a une question qui est pas con. Thomas Crayon lui dit, bon alors, quel réalisateur pour un Batman à votre goût ? Quel réalisateur pourrait faire Batman ? Romain a répondu Taika Waititi, je veux. Quel enfer. Ah, okay, non. Quel enfer. C'est franchement les blagues, pas le mec. Les blagues de paix pendant les fusillades avec Batman, franchement. Oh, t'aimes ça, non? Ouais, mais là, non. Non, là, non. Non, on déconne pas, là. Il y a des moments, faut pas déconner, j'en sais rien, en fait. C'est compliqué. Bah, c'est hyper compliqué. Moi, j'attends de voir ce que donne Matt Reeves, en vrai. Non, ouais. Mais oui, bien sûr, mais quel réalisateur pour un Batman, je ne sais pas. Terrence Malick. T'imagines? Tu serais que dans les pensées de Batman. Tu serais que dans les pensées de Batman et tu verrais des dinosaures. Il parlerait et tout. Fincher. De ce qui ressent. Bah, Fincher, part, c'est Matt Reeves, quoi. Mais c'est pareil, Nolan, non, tu vois, limite. Cher, là. Non, mais Cédric Michael Jiménez. Mann. Cédric Jiménez, très bonne idée. Oh. Cédric Jiménez. Batman, Batman Marseille. Batman, putain. Tu sais pas ce qu'on a vu là-bas. Tu sais pas ce que j'ai vécu là-bas. Batman qui frappe un mec de la police de la police. Non, bonne idée. Ouais, franchement, très bien, Romain. Merci. Non, après, putain, tu peux avoir le Batman Michael Mann, le Batman. Tu l'as déjà. Ouais, tu l'as déjà dans Dark Knight. Le Batman David Fincher, David Lynch. Ça pourrait être marrant. Ça. Putain, c'est le Batman mec qui a Robin, dans une chambre rouge. Hop. C'est un peu Batman et Robin. Hein. C'est la chambre rouge du film. Ouais. Non, c'est l'asile d'Arkham. Ouais, un petit peu. Ouais. Batman par Villeneuve, de mieux en mieux. Là. Ouais, Batman par Villeneuve, tu l'imagines comment, Marvin, justement? Ah bah, vous voyez ce que vous reprochez à Nolan de pas savoir faire de l'action? Bah là, vous allez voir. Hein. Batman par de nous, non, impossible, ça marche pas. Batman avec des guns, quoi. En fait, c'est le Batman de Snyder, mais en mieux, peut-être. En plus assumé, peut-être. Ouais, peut-être. Ouais, non, Batman par John Waters, sinon. Ouais, non. Non, on peut faire des Batman à toutes les sauces en fait. Ouais, bien sûr, on peut tout faire, oui, c'est sûr. Bref, Batman par Alejandro Jodorowsky, si vous voulez. Voilà. Bah, c'est un peu le cas avec Batman et Robin. Hein, déjà. Ouais. T'as vraiment envie de classer dans mode film d'auteur Batman et Robin en fait. Ouais, bon, c'est Bah, sachant de la carrière du réalisateur, possiblement quand même. Il y a aussi, ça m'a fait rire, mais ça aussi, il faut peut-être qu'on en parle parce qu'on aurait peut-être pu le mettre. Mais je pense qu'on l'a mis pour une autre liste ce film là. En fait, The Culture Rider nous a dit que Joker d'une certaine manière est le pire Batman. Oui. Alors bah oui. Le Joker. Non mais c'est vrai. Le Joker aussi, ça a été un film qui a qui a divisé quand même. Enfin, il a quand même cartonné, il a quand même eu des critiques unanimes, mais il y a quand même eu son lot de détracteurs. Et pourquoi il y a eu un lot de détracteurs justement sur ce film en fait en particulier? Déjà parce que c'est filmé avec les pieds. Non, mais je veux dire, pour commencer, quoi, tout bêtement. Et puis parce que moralement, il est un peu dégueulasse, quand même. Voilà, hein, je vais pas... Bah si, voilà. Bah, pourquoi il est moralement dégueulasse? Faut développer. Mais tu sais bien pourquoi il est moralement dégueulasse. Bah, je sais pas, je ne sais rien. Quelle est la morale de ce truc? De quoi? Je ne sais rien. Tu ne sais rien sur le film? Non. Bah écoute, je veux dire... Tu vois, en plus, ce qui était marrant, c'est qu'on était en plein boom gilet jaune à ce moment-là. Mmh. Et que ça avait carrément été repris. Non, non, mais... C'était de la folie, quoi. Et je veux dire, ouais, en fait, ouais. La morale révolutionnaire du film,
ce qu'elle amène, tu vois, cette espèce de produit de la société et tout. Je trouvais ça absolument dégueulasse, quoi, la manière dont c'était traité, tu vois, dans l'affrontement final, quoi. Je trouve ça complètement... En fait, c'est même pas que c'est dégueulasse, c'est que c'est une bêtise sans nom, quoi. C'est vraiment une bêtise sans nom. Je veux dire, le fait... Bah, par exemple, à la fin, bah, admettons, Simon, cassez-vous ceux qui l'ont pas vu. Non, mais à la fin, par exemple, le meurtre de Niro, qui est présentateur télé. Est-ce que c'est ça que tu trouves dégueulasse? Est-ce que c'est le fait que, voilà, il faut, pour bouleverser ce système, il faut niquer les médias? Non, mais faut, tu vois, l'insurrection comme seul moyen d'expression, quoi. Ça me fait marrer, et que ça te fait marrer si t'as 16 ans, quoi. Tu vois. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Enfin, bêtement, c'est ça, Joker. Hein. Vraiment, tu vois, c'est vraiment ça. Arrêtons de nous faire tabasser, tu sais, on est mis au banc de la société, qu'est-ce qu'on fait? On va tout cramer, quoi. Bon, ok. Je veux dire, j'ai pas vu grand-chose dans le film qui m'a amené, en plus, à cet état-là, je veux dire. Et puis, en plus de ça, mine de rien, t'allais voir Joker et tu disais, putain, peut-être c'est la première fois qu'on va pas me resservir le meurtre des époux Wayne d'une manière ou d'une autre, quoi. Eh ben si. Eh ben si, quoi. Donc voilà, et puis bon, le lien entre le Joker et potentiellement Bruce Wayne, enfin bon, c'est compliqué. Ouais, c'est complexe. Ok, ouais, non, mais ça peut s'entendre. Ah oui, version Robert Rodriguez juste, de Batman. Juste pour revenir, juste vite fait pour répondre à... Oui, j'allais dire Robert Rodriguez, mais Shakma, il a raison, en fait. Ceux qui voient dans Joker, tu vois, une morale révolutionnaire, ils n'ont pas compris le film. Oui, peut-être, parce que c'est pas un modèle, c'est un fou. Mais après, faut comprendre ce qu'elle porte, tu laisses entrouverte quand tu fais ce genre de truc. Tu vois ? Ce que je veux dire, c'est que si une majeure partie du public l'interprète comme ça, c'est que c'est forcément un peu de ta faute à un moment donné. Tu parles justement de Joker, par exemple, où tu te dis, bah voilà, c'est un antagoniste, c'est un vilain qui est la produit de la société. Mais en fait, qu'est-ce qui le différencie, par exemple, de Bane qui est dans Dark Knight Rises ? Mais parce que Bane, il t'explique son plan. Bane, il t'explique que son seul... Il veut pas l'insurrection, Bane. Il veut faire croire aux gens qui vont s'en sortir pour tous les faire exploser, finalement. Il le dit. La bombe, quoi qu'elle arrive, elle va péter. Mmh. C'est exactement le même principe que t'es dans la prison, tu vois le ciel, mais tu peux pas en sortir. Tu vois ? C'est pour ça que c'est un enfer. Et il te dit, c'est la même chose. Je vais les faire croire qu'ils vont survivre. C'est bête aussi comme plan, mais c'est beaucoup moins bête que de faire les Jokers... Un espèce de Che Guevara, quoi. Bah, non, mais c'est ça, quoi. Tu vois, c'est ça. C'est le même principe. C'est le complexe Che Guevara, quoi. Non, c'est complètement idiot. T'aurais pu le traiter comme un modèle quelque part. Je veux dire, moi, ça me dérange pas qu'on l'interprète comme ça. Mais de cette manière-là, c'était absolument dégueulasse. Alors, oui, peut-être que vous me direz, oui, il a pas compris, machin. C'est peut-être comme les mecs qui idolâtrent Tony Montana quelque part. Tu vois, c'est une petite bête. Mais à un moment donné, il y a une raison aussi. Si tu laisses passer ça, c'est un peu de ta faute. Appropriation du Joker, ça a été beaucoup le cas aussi pendant Dark Knight. tous ces PP Joker, tu sais, avec So Serious ou les trucs comme ça, c'est pareil. Il y a beaucoup de monde qui sont appropriés aussi le Joker de Dark Knight. Et il était quand même aussi pas mal problématique parce que c'est un agent du chaos dans le Joker. Dans le c'est un peu compliqué, c'est pareil de prendre ça comme modèle puisqu'il a absolument, lui, pour le coup, aucune morale, aucun objectif, rien du tout à part tout cramer. Donc, ok. Voilà, pour les révolutionnaires, quoi, finalement. Mais Joker, c'est ça, quoi. C'est la trousse Che Guevara, quoi. c'est le bat Che Guevara. Voilà, c'est ça. Et finalement, le pire film de cette liste, et je vais commencer avec Karim. Quel est pour toi le pire film de cette liste? Ça va être Batman et Robin. Parce que pas de Dark Knight, pas Rises, parce que c'est bien. Celui de 66, on va dire, il m'a été utile. Ah, Batman et Robin, même si j'ai ri, ça reste objectivement daubesque. Donc, même s'il y a quand même de la sympathie malgré tout, ça reste objectivement de la merde. C'est vrai. Marvin, de ton côté? Ce sera Batman 66 parce que j'ai plus de sympathie pour Batman et Robin. Pour le... Et toi, Manu, de ton côté? Ce sera le contraire, ce sera Batman et Robin parce que j'ai plus de sympathie pour Batman 66. Ok, bah on peut dire. Est-ce qu'on peut dire que c'est Batman et Robin qui est le pire film si vous voulez ce soir? Bon, ouais. on reste là-dessus alors. Est-ce que Romain nous entend au travers actuellement de son travail de monteur? Est-ce que tu peux prendre ta pause? Je pense qu'il dort sur son clavier. Peut-être parce que ça fait un moment qu'on l'a plus. Je suis là. Oh là là. Bonsoir. Bon, Marvin, arrête d'imiter Romain, vas-y, lâche-le. Il est ventriloque. Alors, Romain, déjà, est-ce que toi, t'avais revu les films ou pas? Ou non, du tout, flemme de participer à notre massacre. Attends, viens, je lance une piste avant de parler.
Vas-y. Hop, c'est lancé. Beau. Comme ça, nickel. Au montage, ce sera top. Ouais, bon, ce sera top qualité. Vas-y, vas-y. Voilà. Du coup, moi, j'avais vu Rises et Batman et Robin. T'as pas tenté 66, t'as pas allé, t'es pas allé. C'était le dernier palier et c'est là où j'ai fait le calcul. Ouais, voilà, j'ai vu le crunch arriver. Il y avait pas assis sur le Patreon ici, non. Mais donnez au Patreon. On en parlera. Je t'en parlerai. Coucou. Non, mais je vous suis. J'écoutais tout du. Alors. On voulait d'abord dire qu'il y a le résultat du concours, parce qu'on avait fait un concours effectivement sur le Twitter de l'émission. C'est vrai, c'est vrai. En fait, c'était pour un giveaway, pour un Blu-ray d'un Turbo Nanar, j'ai envie de dire, Devil Story. Est-ce que tu peux présenter un tout petit peu le film et dire qu'est-ce que tu as fait dedans, en fait, dans cette édition Blu-ray, justement? Oh bordel. Devil Story, si tu veux, je vais citer son réalisateur, hein, c'est un film qui devait montrer au cinéma américain que les Français pouvaient faire L'Exorciste, mais en mieux. Voilà, parce que les Français ont inventé le cinéma. Bah, bien sûr. Un film d'horreur qui s'est foré sur toute la ligne au final, hein, parce que y a rien du tout. En fait, ça a floppé de fou. Pour tout vous dire, sans vous spoiler, parce que faut pas non plus, voilà. Il y a littéralement une momie, un cheval du diable. Déjà, c'est mieux que l'Exorciste. Cheval du diable, mais c'est une scène tellement anthologique. Allez-y tout de suite, quoi. Le réalisateur Bernard a filmé son film d'horreur et s'est rendu compte au montage qu'il avait 50 minutes de film. Ce qui est pas fou pour un long métrage. Tu vois, non, donc, c'est vrai, c'est compliqué. Il a pris sa caméra et un pote, et il est parti dans la forêt filmer des meurtres avec un monstre nazi qu'il a inclus dans la bande. Et voilà, ça fait une sorte d'ovni. Pas mal. On est dans le nanar, hein, vraiment, mais on est aussi dans l'ovni total. Okay. Dans le sens où le film il a aucun sens, et en fait il a vraiment tiré sur la pellicule pour faire un film d'1h20, d'où cette séquence du coup du cheval du diable qui est devenu culte. T'as trois plans qui s'enchaînent en boucle pendant 5 minutes d'un pauvre mec qui tire sur un cheval dans un champ. Donc voilà, je peux pas trop en dire parce que faut le vivre, hein. Faut l'expérience. Non, ouais, garder l'expérience. Chaque mode dit que c'est une expérience sensorielle, effectivement. Ah, mais c'est ça, bien, ouais. Tous tes sens seront attaqués d'une manière ou d'une autre. C'est la France, le rayonnement, il est là. Et du coup, le pays des lumières. C'est ça. Okay. C'est dur, c'est très dur. En plus, là, je suis explosé. Donc, va parler de ça, quoi. Et le film a été restauré en 4K par les mecs suicidaires. Les mecs, ils viennent à peine d'annoncer Laurence d'Arabie, tu vois. Tu sais, on a les moyens de restaurer Devil Story, t'inquiète. Non, mais il y a Vinegar Syndrome, qui est un éditeur américain fou, qui restaure et retrouve des pépites, quoi, oubliées. Et ils l'ont restauré, sorti en France chez Pulse Vidéo, qui l'ont du coup édité. Et moi, il se trouve qu'il y a quelques années, j'avais interviewé le réalisateur pour lui demander pourquoi. Ça a donné une interview de 30 minutes où il revient sur toute sa vie, toute sa carrière, parce qu'il a une carrière de fou, hein, le Bernard. et voilà, ça finit dans les bonus et c'est sorti récemment et voilà. Donc voilà, il y avait exactement d'où l'idée du giveaway. Et le gagnant, le grand gagnant de ce concours, c'est Toy Kitsch. N'hésite pas à revenir vers nous, on t'enverra normalement un MP aussi sur Twitter. Félicitations et bon courage. Bravo Toy Kitsch. Il va kiffer, je pense. Il va adorer. Mais il va prendre l'expérience de plein pied. Et en parlant d'une autre expérience, il s'est passé quelque chose au 14. Putain. Donc un cinéma nantais où tu participes à une assoce, en fait. C'est l'Absurde Séance. Et tu as organisé une séance d'un film, aussi d'un autre Jared Nanar culte français qui s'appelle Whitefire, réalisé par Jean-Marie Pallardy. Dis-moi cette séance, décris-la-moi, qu'est-ce qu'il y avait de si particulier? On remet en contexte un petit peu pour ceux qui sont pas de Nantes. Oui, donc je bosse dans un festival de cinéma de Nantais qui passe des films d'horreur, du bis, des nanars, etc. Mon patron, il y a quelques temps, m'a fait « Viens mec, on passe Whitefire ». Je fais « Ok », et on invite Jean-Marie Pallardy. Et là, je fais « Putain ». Parce que pourquoi putain. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas trop dans le cinéma alternatif, on va dire Jean-Marie Pallardy, c'est un mec qui a une carrière de fou, qui a commencé avec des films érotiques aux titres géniaux comme L'arrière-train sifflera trois fois, La quéquette de l'Est, de l'Ouest, ou des trucs du genre. Putain, mais l'auteur. C'est ça. Un dieu. Ouais, non, mais règlement de femme au cul choral, enfin, du
que plaisir. Non, mais tu sais, mec, moi j'aurais beau me torturer l'esprit, je trouverais pas des petites comme ça. Franchement, je suis obligé de reconnaître la vista du type, quoi. C'est ça. Et puis, quand le porno a commencé à plus marcher, il a commencé à changer de style, il a fait du cinéma d'action. Et ça a donné en 85, il me semble, sans dire de conneries, Whitefire, alias Le Diamant, alias Vivre pour survivre. Je suis mort dedans. C'est un film d'action où un diamant perdu qui peut faire brûler les gens vivants, voire exploser, est convoité par pas mal de monde, dont un frère et une sœur qui veulent le chercher. Sauf que, bon, la sœur meurt et le frère dit, bah écoute, je vais prendre un sosie de toi. je vais l'habiller comme ma sœur et je vais la ken. Et après, on va aller chercher ce diamant. Et je veux dire, je vous préviens juste, il n'exagère rien. Je veux dire, c'est exactement, littéralement ce qui arrive. C'est même très, très, très soft. Voilà. Et il se trouve que mon patron me fait, viens avec le réalisateur, quoi, ça va être fun. Sauf que ceux qui connaissent un peu Jean-Marie Pallardy ou qui étaient présents à la nuit nanarlande savent que Jean-Marie Pallardy sur une scène avec un micro, c'est pas bien. Avec potentiellement des femmes autour, tu vois. Oui, c'est ça. Ce qui est un problème, parce qu'il est aussi lubrique que son personnage qui tient sa sœur. Il a 82 ans, les hormones, elles ont commencé genre à 12 ans, elles ont l'air descendu, si tu veux. Il est fou, il est complètement fou. Et donc, je me dis, bah écoute, oh, let's go. Il arrive à Nantes avec son fils. Je l'accueille, il était plutôt calme. Je fais, ah tiens, il s'est assez agité depuis Dan Arland, tu vois, voilà. Que nenni, parce que pendant une journée avec lui à sillonner Nantes, les boutiques, tout ça, il était un petit peu excité, et puis il me dit, putain, ce soir, je dis pas de conneries comme la Néerlande, ce soir, plus calme, je parle que de Whitefire, tu me dis, oh, pas de conneries, et vraiment, il me l'a rabâché 20 fois, mais vraiment, pas de conneries, ce soir, je parle de Whitefire. Il arrive sur scène, et là, en 1000, je vous le donne, il a dit que des conneries, et il a pas parlé de Whitefire. Il n'y a pas eu un mot sur Whitefire, il a dit que déjà, des conneries. Déjà, il est arrivé sur scène en roulant, t'as oublié de dire ça. Non, ça c'est à la fin. En fait, si tu veux, on l'introduit sur scène, moi je dis à tout le monde sur scène que c'est ma faute, et je le laisse avec mon boss sur scène, ils disent des conneries. En vrai, il a mis l'ambiance, il était assis, il était moins cringe qu'à Dan Arland. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu draguer toutes les filles de la salle. Il y en a eu une au premier rang qui n'a pas eu le choix. Hein. C'est, elle s'est mise devant lui, forcément, il l'a eu. Fait, oh madame, dis donc, t'es jolie toi. Donc voilà, forcément. Oh, mon Dieu. On a posé des questions sur lui, sur sa carrière, et il a plutôt bien répondu. Il disait beaucoup de conneries parce qu'il aime faire le con, mais ça allait si tu veux. Le film est passé, gros succès, etc. Et il revient à la fin pour prendre sa standing ovation. Et en fait, à la dernière marche, moi j'étais derrière lui, Jean-Marie descend les marches, je cligne des yeux, Jean-Marie il est par terre. Oh, c'est enfer. Alors, on voit pas ma webcam, mais je chiale de rire en fait. Parce que je te jure qu'en vrai, j'ai paniqué. Le type à 82 ans, il peut potentiellement mourir. Mais oui, je me suis dit, on a tué Jean-Marie Pallardy. On a assuré. On a buté l'invité. Oh putain, c'est merde. Alors, coup de chance. Oh, en fait, il est solide. Il est très solide. Il a trébuché sur le pied. Jean-Pierre Romain. Oh là là. J'étais en sueur. Il a trébuché sur le pied d'un mec et il est parti en avant. Il a eu un réflexe de rouler, en fait, si tu veux. Le gars, il est dans les forces spéciales en même temps. T'sais. Alors, il a fait. Je sais pas si je roule, moi. Il a des réflexes qui sont restés. Il a roulé, si tu veux, et il s'est relevé. Et le lendemain, il m'a dit j'ai un peu mal à une côte, mais en vrai, tout va bien. Et je te jure que je n'ai pas dormi, mec. Le pire, c'est qu'il y a eu aussi un moment. Du coup, moi, j'ai juste vu Jean-Marie tomber. Et mon boss, lui, était devant. Il menait la marche. Il monte sur scène. Jean-Marie Pallardy, mesdames et messieurs. Et il se retourne et je vois le regard du mec qui voit son invité. Il voit son invité partir. Oh putain. Mon Dieu. Oh putain. Donc voilà, c'est la déchantillon de la soirée. Alors après, il y a eu une dédicace, photo, tout ça, et bon, voilà, et tout s'est calmé. Oh putain. Putain, vache. Imaginez janvier, Romain invite un réalisateur dans le podcast. Février, Romain tue un réalisateur. Non, mais là on déconne comme des gros cons, mais je te jure qu'on a flippé parce qu'on a vraiment pas vu qu'il y avait un mec qui avait sa jambe étalée comme un con dans la nuit, tu vois. Mais lui, mec, c'est un criminel, hein. Oui, on l'a pas retrouvé. Ils l'ont cherché, tu sais, les mecs, ils l'ont cherché, ils l'ont traqué après, quoi. Ah, ouais. Oh putain.
putain. Donc voilà, c'est la petite séance, n'hésitez pas à venir. Ah, donc il a été moins. Après, pour ceux qui veulent, je pense qu'il y a des vidéos de son intervention à Nanarland. Oui, oui. Il y en a oui. pas mal de gens à avoir filmé, vous verrez le cringe du truc. Bah, il y a les meufs et tout. Il y a chaque mec qui tient. Viens, poupoule. C'est ça, les questions sur ses sœurs, évidemment. Et enfin... c'est chaud. Mais chaque mec dit que Palardi avait balancé à un type de Nanarland durant une interview. Tu as de jolies mains, mais si tu veux tourner dans un de mes films, il va falloir être capable de baiser Sharon Stone durant toute une nuit. Ça résume très bien le personnage, malheureusement. Ouais, je pense. Ouais. Starflord dit entre lui et la chose, je me demande qui est le pire. Oh bah quand même. Moi je veux voir les deux dans une salle. Ça va briser l'espace-temps. Mec, oui, c'est le collab. Il va se passer un truc. Imagine la show à 80 ans. Ok, écoute, c'est cool d'avoir des idées comme ça, c'est bien. C'est qu'un échantillon de ce qui s'est passé en vrai, les trucs, je peux pas dire en. On a su. Il y a des dramas qui circuleront, je pense, sur le long terme. Vous verrez. Mais Romain pourra vous les partager durant le. Angers Geek Fest, bien sûr. Une fois que vous aurez acheté un autographe de 30 euros. Bien entendu. J'en peux plus. J'imagine. Tu vas passer de Jean-Marie Palardi et des femmes à moi avec des cosplayers. C'est, je veux dire, c'est le même niveau de cringe. Les deux extrêmes. Putain, lors de l'apocalypse. Tu sais, mec, je suis pas sûr, hein, t'es. Mais Marvin, c'est vrai que Marvin, je t'ai jamais vu en convention. Franchement, en fait, j'ai envie de faire cette convention rien pour ça. Détester, mec. Ça va conventionner, frère. Hein. Ça va être. Ouais, je pense. On va voir. J'y vais. J'y vais comme Christophe Colomb, quoi. Je viens défricher, on verra. Je partirai en mettant le feu, c'est tout. S'il faut. Oh là là, putain. Voilà. Bon, c'était bien trop long. c'était magique. On finit en tout cas, merci Romain en tout cas de nous avoir partagé ce beau moment de. Pas de soucis à la prochaine. De cinéma, j'ai envie de dire. Bisous. bisous Romain. Et c'est fini pour Cheatlist. Merci encore à Marvin, merci Manu. Merci. Et merci encore merci Karim. Et encore, merci et on peut encore remercier effectivement Romain à la régie qui a supporté ce live Twitch. Du bout de ses bras. Vous pouvez également nous soutenir sur Patreon. On remercie ce mois-ci Xénon pour ses 5 euros et qui nous laisse un message. Continuez comme ça et vivement un shitlist spécial Luc Besson. D'ailleurs, Xénon était à cette séance de l'enfer justement de Palardi. Et je crois que c'est lui qui avait justement gueulé shitlist durant l'intervention de Romain. Et Romain, il était pas bien, il est pas content. Il s'est dit, il y a des gens qui m'écoutent. Merci également à Pat Flash pour ses 10 euros. On a fait, alors dernièrement, pour les MVP du Patriot, on a fait du contenu exclusif. On a fait donc Super Héros Malgré Lui, qui est disponible. On a fait l'épisode Big Bug, de Jean-Pierre Jeunet, qu'on a fait avec moi et Marvin. On prévoit encore d'autres contenus qui vont arriver au fur et à mesure. On a un stream à prévoir aussi, peut-être, pour nos amis Discordos. On a un bat stream. C'est pas un Doom stream quoi. Un Doom stream. On a un commentaire live de Doom normalement. Nous on va faire demander. Alors c'est Romain est chaud. Romain est chaud. Voilà, on va pouvoir balancer des phrases comme ce film. La seule maladie dont ce film est atteint, c'est de perfection. Perfection. Voilà. ça va être le slogan tout le long de cette. J'ai hâte de pas participer. écoute, c'est dommage, Manu, t'es pas dedans. C'est dommage. Retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro pour vous parler encore une fois du pire du cinéma. Cheatlistpodcast@gmail.com pour le SAV. Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram et sur Discord, notre chaîne Twitch et YouTube qui est ouverte. Oui, nos YouTube pour les replays de live aussi qui est ouvert. Rejoignez-nous, 3 abonnés. Venez nombreux. C'est la plateforme qu'on va investir, quoi. Voilà, c'est plateforme d'avenir. Pour le podcast, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Twitch également, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, justement, pour savoir quand on fait les lives Twitch, pour nous voir en direct en train de souffrir. C'est très intéressant, c'est une expérience sociale, vous devriez essayer. 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify, retouratufru.com pour retrouver tous les épisodes, justement, de Cheatlist et RVLT. Et bientôt, un nouveau podcast qui va débarquer, je ne dis pas plus, ça va bientôt arriver, ne vous inquiétez pas, c'est pas mal, ça va remplacer un peu RVLT, mais en mieux. Partagez un maximum le podcast, à dans 2 semaines. Ok, ciao, je fais salut. Pas de van, d'accord. Salut.
Alors, on regarde un petit peu sur le stream. Je suis retour à la voix. Ah, aux enregistrements ou pas? Oui, vous pouvez couper vos enregistrements. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci Thomas d'être passé, en tout cas, plaisir. Ouais, c'est gentil. À revenir. Bien sûr, en tout cas, tous ceux qui étaient venus pour voir effectivement une bande de sacs souffrir devant trois films complètement différents et peut-être un film justement qui n'a pas été réhabilité parce que finalement j'ai l'impression que tout le monde l'avait aimé à la base. Oui, non, ça. Mais voilà, effectivement, merci encore. Merci Chakma encore d'être passé. Au plaisir d'ailleurs de se voir durant le Angers Geek Fest. N'hésitez pas à passer, on sera à 15h30 pour vous parler du pire Alien. Et quel une film conférence qu'on a vraiment beaucoup travaillé. Bah ouais, on a même pas encore commencé, tu vois. Donc, mais voilà. Ouais, nous voir, parce qu'en plus cette fois-ci, on pourra se voir dans un endroit où ça dure pas toute la nuit. Donc, ce qui fait que voilà. On dormira pas la moitié du festival. Vous nous trouverez pas moi et Luc en train de dormir. Donc normalement, ça devrait aller quoi. Qui a été pour beaucoup d'auditeurs la plus belle photo de Netherland, ce qui paraît. Donc, effectivement, c'est devenu un mème, hein, parce que Marvel l'utilise à foison. Non oui, bah écoute, on fait ce qu'on a. Ah bah faut rentabiliser, effectivement. Effectivement. On remercie Arwan d'avoir fait la photo. Bon, on reste encore un peu en ligne s'il y a des questions, mais bon, s'il n'y a pas de... Shitville pour Angers. Ouais, mais non, en fait, si tu veux, on a été invité. Alors, cette année, c'était soit Podren, soit l'Angers Geek Fest. Bon, on va changer un peu, on va passer au Geek Fest, quoi. Et justement, ils sont sympas de nous avoir quand même invités, parce qu'on avait déjà fait avec RVLT, justement. C'était quoi le Bordeaux Geek Fest, justement, qu'on avait fait en ligne. C'était assez chelou, mais c'était une expérience assez marrante. De faire une conférence, on avait fait une conférence virtuelle. C'était pendant le période du Covid. C'est marrant à faire, franchement, c'était un délire. Mais voilà, pour ça, ils nous ont invités justement pour Angers, parce que je crois qu'ils ont, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils ont lancé le Angers Geek Fest, il me semble. C'est un truc nouveau. Ouais, c'est un truc tout nouveau. Donc, on va voir ce que ça va donner. Voilà, le thème cette année, c'est les femmes dans la pop culture. On a tout fait le profil pour traiter ça. Bah ouais. Mais bon, je sais pas. On mettra des perruques, hein, que vous voulez. Mais non, en vrai, il y a quand même pas mal de conférences qui sont prévues, qui ont l'air d'être pas mal quand même, avec notamment des gens qui sont bien placés pour en parler justement. C'est ça. D'où je pense que c'est la caution des trentenaires au fond là dans le coin. On dit ça, mais il y a quand même une conférence sur Fortnite quoi. Donc niveau cohérence du sujet, je sais pas. Oh, on n'est pas là non plus pour bitcher sur l'organisation. Non, au contraire, moi j'ai hâte d'y aller. Moi j'ai hâte d'y aller. Bah, de toute façon, t'es un représentant de Fortnite, Robin. Ouais, moi aussi, j'ai hâte, putain. Et mec, moi je représente tout le monde là-bas, je suis TikToker, Fortnite, podcast. Je vais dans toutes les cases. Et on peut dire à toutes les conférences, là, c'est c'est ça. C'est incroyable. C'est fou. Merci. Le mec, le bulldozer, quoi. Le multicast de l'équipe. C'est le Jarod, en fait. C'est ça, ouais. Oh, les refs. Ouais, oh, le boulard. Ça, franchement, c'est là où on se dit qu'on a vieilli. Oui. Et c'est là qu'on commence on arrête finalement. Parce que... C'est qu'on va dire au revoir du coup. dites au revoir au PP, dites au revoir Boomer parce que là on va aller se coucher. Hein, parce que là, ah, c'est il est minuit, terrible. Moi j'en peux plus. Hein. Bah, normal. Une tisane, oui. Une tisane au dodo. En tout cas, merci encore d'être venu au stream et on vous dit cool. À bientôt. Ciao. Ah, salut. Ciao les gens. Salut. Attendez. Okay. Attendez.